Donc, comme étant pas de quoi. Hey, maman. J'ai dit que. Donc. Bref. J'étais en train de vous dire que. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la team. Bonsoir aux abeilles. Bonsoir à tout le monde. J'ai fait un post tout à l'heure. Et j'ai vu que les gens étaient en train de mal prendre. Ben, je me suis mal exprimée. Donc, j'étais sur la route. J'étais en train de conduire tout à l'heure quand la police m'a appelé du Cameroun. Il était, je crois, peut-être. Il est quelle heure maintenant? Sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est. On va dire, la police m'a appelé. Il était 15h. Il était 15h. Et comme j'étais en train de conduire, j'ai demandé qu'on me rappelle. D'accord? J'ai demandé qu'on me rappelle. Ils sont très polis. Donc, la police m'a appelé tout à l'heure et m'a demandé du Cameroun. La police m'a appelé depuis le Cameroun. Il était 15h. Il était 15h. Et la police m'appelle. Donc, quand la personne avoue qu'il est la police, comme moi, j'ai décidé que maintenant, si on me dit que c'est de la police, je vais plus prendre que c'est la rigolade. Je vais vraiment avec tes seins comme la pastèque, avec tes noyaux comme deux boules de couscous rassis. Donc, quand la police m'appelle, il était 15h, la police me demande, est-ce que je connais Cathy FMI? Je dis oui, je la connais, mais sur les réseaux sociaux. Et puis, il me demande quel rapport j'ai avec elle. J'ai dit, j'ai fait que sa publicité, mais là, je suis en train de conduire. Donc, je ne peux pas me garer. En plus, j'étais sur l'autoroute. Je ne pouvais pas, il n'y avait pas de place pour se mettre et tout. Mais j'ai quand même mis le haut-parleur, j'ai laissé mon GPS. Et tout. Donc quand la police m'appelle, la police me demande, c'est vous, vous êtes Fleur de Lille? Je dis oui, puisque tout le monde me connaît au nom de Fleur de Lille. Est-ce que vous connaissez Cathy FMI? Je dis oui, je la connais. Quel rapport vous avez avec elle? Je dis, j'ai fait sa publicité sur ma page publique. Elle me demande la publicité de quoi? Je dis, des médicaments traditionnels. Donc moi, quand quelqu'un veut faire sa publicité, quand quelqu'un fait un commerce, moi je ne cherche pas à savoir si c'est bon ou si c'est comment. Je fais que la pub parce qu'on me paye pour la pub. Donc je ne commence pas à dire que, à chercher si c'est sûr. Donc, et ils m'ont dit que oui, parce que Cathy FMI, elle est là, à l'heure où on vous parle, elle est à Océde. Parce qu'elle a. Il faut enregistrer la police. On ne. C'est jamais, non, je ne veux plus enregistrer. Non, même si tu enregistres, non. Non, moi, je n'enregistre pas, pardon. Moi, vous savez que tout ce que j'ai vécu là au Cameroun, je sais ce que je peux maintenant faire, je sais ce que je ne peux pas faire. Non, tu dis que la police m'appelle pourquoi? Parce qu'en fait, quand. Je ne sais pas, peut-être ils sont au courant que j'ai fait sa publicité. Qu'est-ce que vous me dites que la police t'appelle pourquoi? La police peut appeler tout le monde, hein. Comme là, la police m'a appelé et la police m'a appelé, m'a laissé un message sur le répondeur pour un problème au tribunal ici en France. On m'a cité comme témoin. La police m'a appelé quelqu'un. Faut pas croire, faut pas prendre ça comme ça, hein, parce que je te vois, tu es en train de commenter là. Faut pas prendre ça comme ça. La police m'a appelé tout le monde. Faut pas prendre. On ne rigole pas avec les choses comme ça. Avant, je faisais comme vous. Maintenant, je fais plus ça. Dernièrement, la police m'a appelé, m'a laissé le message. Oui, c'est la police. C'est la police. Je suis sûr que c'est la police. Bien sûr, je suis sûr que c'est la police. D'accord? Donc, moi, quand quelqu'un. Ici, la police m'avait appelé quand j'avais les problèmes avec l'autre. J'étais en Suisse. La police m'avait appelé, non? Nous sommes la police. Est-ce que vous pouvez passer au poste de police quand vous avez le temps? Quel jour vous avez le temps? Je suis passée. Donc, la police m'a aussi appelé pour mini mineur, pour passer au tribunal. Pour son agression à Paris. Et il n'y a pas que moi qu'on a appelé, c'est celui qu'on a appelé. On m'a cité comme témoin. Donc la police m'a appelé.
Bref. Donc, comme je vous disais, alors la police m'appelle, la police me demande est-ce que je connais, quel rapport? Déjà, est-ce que je connais Cathy FMI? Je ne peux pas dire non. Vous pensez, des fois, quelqu'un vous demande que est-ce que ça ne sert à rien de mentir sur les choses qui ne servent à rien? Quelqu'un t'appelle, ils ont dû voir que j'ai fait la publicité. Vous pensez que je vais dire que non, je ne connais pas. Alors qu'on peut me prouver par mes pages que oui, tu as déjà eu à parler de ces médicaments. Souvent, il faut souvent arrêter. Vous croyez qu'on ment sur tout? On ne ment pas sur tout, hein? D'accord? Dis donc. Non, vous prenez tout à la rigolade, quoi. Oh, la police t'appelle que tu es chef de cellule. La police peut appeler tout le monde, hein? J'ai fait sa publicité. Est-ce que vous savez pourquoi ils m'ont appelé? Parce qu'on voulait déjà me prendre comme complice. Vous êtes souvent normal dans votre tête, là. Vous savez ce qu'on appelle un personnage public, une page publique. Hein? Faut souvent arrêter vos pète-pète là, hein, quand les gens vous parlent. Donc, moi, je vous dis alors le truc. On me demande que la police a payé les autres ou quoi, ça ne c'est pas mon problème. Je parle de moi, je ne parle pas des autres, d'accord? C'est pas mon problème, je parle de moi. Donc, quand la police m'appelle, on me demande, est-ce que tu la connais? Je dis oui, je la connais, mais pas de vrai. Je la connais sur les réseaux sociaux. Je la connais parce que j'ai fait la publicité de ces... Et mon communicateur... Attendez, j'enlève d'abord le poisson au feu. Je veux faire la sauce bon. Vous croyez que vous restez là devant vous me payez? J'enlève d'abord un peu l'eau, non? Parce que j'entends ça verser un peu. J'ai promis. Je suis en train de faire bouillir d'abord le poisson. Attendez. La personne qui n'a pas le crédit, laissez pas. Hein. Vous croyez que... La personne qui n'a pas le crédit, pas d'abord attendre. Allez charger vos téléphones. Allez charger vos téléphones, hein, parce que... Attendez, vous croyez que je vais laisser ma nourriture va brûler au feu parce que mon corps va pote. Voilà. La personne qui n'a pas le crédit, laissez. La personne qui n'a pas la connexion, pas. Donc, comme je vous disais, d'accord? Comme vous étiez en train de discuter là. Donc, comme je vous disais, la police m'appelle, la police me demande quel rapport j'ai avec Cathy FMI. Je dis que moi, j'ai fait sa publicité. Parce que ma page, c'est une page, j'ai fait la publicité. On dit que la publicité de quoi? Je dis que la publicité des... Toi, ne m'énerve pas. Hein. C'est vous qui faites, je perds le temps. La publicité des médocs, des praticiens, des médicaments pour accoucher, pour le banzizi, pour les pètes, pour beaucoup de choses. D'accord? Donc, maintenant, ils me disent que oui, elle est ici au CED parce qu'elle a escroqué une personne, une dame de 600 000 francs CFA. Ils me demandent, est-ce que vous connaissez d'autres victimes? Vous connaissez d'autres victimes? Je dis que non, moi je ne connais pas. Je reconnais que j'ai des amis qui ont acheté les médicaments, qui ont acheté aussi ça. Les médicaments là. D'accord? Donc, normalement, je reconnais que j'ai une amie que je connais vraiment qui avait acheté parce que son mari. C'était pour que, comme on avait dit qu'il y avait le banzizi dans les médicaments. Quand ma copine avait vu la publicité sur mon mur, elle avait envoyé l'argent au pays pour acheter pour le banzizi, le zizimban. Donc, et c'était aussi pour chercher l'enfant. Donc, quand la police me demande que, est-ce que vous connaissez des victimes? Quand on dit victime de quelqu'un, victime c'est quelqu'un qui se plaint. Est-ce que victime c'est quelqu'un qui a acheté? Vous comprenez, non? Quand on dit que victime, victime, vous qui connaissez beaucoup l'école, victime, est-ce que vous connaissez d'autres victimes? Est-ce que quand on dit ça, ça veut dire que d'autres acheteurs? Moi, je ne connais pas. Si on dit que vous, est-ce que vous connaissez d'autres victimes, ça veut dire que quoi? Non. Quand on dit à quelqu'un que est-ce que vous connaissez d'autres victimes,
Moi, je dis non, je ne connais pas les victimes, mais je connais une amie proche qui a acheté aussi. Et ils m'ont demandé que ça a fait comment. Je dis que son blanc avait goûté ça. Il a dit que c'était le mbanzizi. Il avait goûté ça. Il a dit que il ne peut pas avaler. Elle avait dit qu'il faut mélanger avec le lait ou c'est le lait avant de boire. Et le blanc l'avait testé seulement une fois. Il a dit que plus jamais. Il a arrêté de boire. Donc, je ne peux pas connaître et tout. Donc, la police dit que parce qu'il cherchait encore les autres victimes. Je dis, moi, je ne connais pas les autres victimes. Je connais seulement une amie qui avait acheté. Et qu'est-ce qu'ils m'ont demandé là? Oui, qu'elle est là parce que elle avait pris 600 000 à une dame à Yaoundé. Et elle a promis à la dame l'enfant. Que la femme va accoucher, que c'est 100% sûr que la fille va accoucher. Moi, je ne suis pas complice. Hein. Je ne suis pas complice. Je n'ai jamais bu ça. Je n'ai jamais dit que j'ai testé. C'est bon. Non, je ne suis pas complice. On est bien d'accord sur ça, non? Bref. Donc, elle est là-bas au CED. La dame a dit que on l'a amenée. Elle est là-bas depuis. Elle est là-bas. D'accord? Et la dame veut ses 600 000. Ou je vous ai dit que... Non, c'est bon, Henri qui m'amuse. La dame veut ses 600 000. On a beaucoup souffrance. Et Cathy, elle a dit qu'elle peut rembourser en 4 fois. Qu'elle peut rembourser l'argent en 4 fois parce que maintenant, elle n'a pas les dos et tout. Donc, moi, je voulais juste te dire que, sincèrement, quand on vend les médicaments, les tradis praticiens, là, les médicaments, on ne donne pas l'assurance à 100% que ça marche. Parce que, elle n'est pas médecin pour savoir la dose, parce que la dose que tu prends, ce n'est pas la même dose que si tu prends. Je ne sais pas, l'organisme est différent. Ce n'est pas les médicaments qui sont passés au laboratoire. Nous sommes d'accord que, en Afrique, surtout quand quelqu'un dit qu'il est de l'Est Cameroun, on sait très bien qu'à l'Est Cameroun, il y a les... Même pas à l'Est, partout en Afrique, avec les herbes, tout ça là, on peut se soigner. Donc moi, ce que je voulais juste dire à ceux qui vendent aussi les trucs comme Cathy FMI, quand vous vendez les médicaments traditionnels, il faut seulement dire à vos acheteurs de faire leur prière sur ça parce que vous ne pouvez pas être sûr à 100% que... Quelqu'un va boire ça et avoir l'enfant. On est bien d'accord, non? Vous ne pouvez pas être sûr. Tu ne peux pas rassurer une femme qui cherche l'enfant que boit le médicament si on ne sait pas la dose de ça. On ne sait même pas de quoi est composé ce médicament. Tu dis qu'il faut boire ça pour tomber enceinte. Blanche Bali. Ou c'est quoi là? J'étais bloquée. Donc, c'est ça en fait. Donc, tu ne peux pas rassurer une femme qui cherche l'enfant que si tu bois les remèdes de tournée du quartier, si tu vas tomber enceinte. Et même les femmes qui font accoucher au pays, ça existe. Elles ne prennent pas beaucoup d'argent. Hein? Il y a les mamans là qui font les remèdes qui donnent aux gens. Elles ne te demandent pas trop d'argent que dont les 500 000, dont les 600 000. On ne vend pas un bébé sur le marché. Hein? On ne vend pas l'enfant. Je ne suis pas complice de ça. Donc, c'est l'explication que moi, je voulais donner. Oui, quelqu'un dit qu'elle est de l'Est. À l'Est, ça guérit, non, les médicaments traditionnels pour boire. Et moi, je voulais vous dire, vous les femmes là, sincèrement, quand vous êtes malade, hein, ou bien quand vous avez un problème de stérilité, il faut aller à l'hôpital. Vous n'êtes pas les membres de votre famille, vous n'êtes pas les grands-mères. Dans vos familles, il n'y a pas les sages, les grands-mères, les grands-mères au village. Vous partez sur Facebook, vous voyez un truc, un médicament qu'on dit que tu bois ça, ça te lave le ventre, tu accouches. Vous buvez, vous connaissez ce que ça peut vous causer. Il y a eu des reportages ici où on montre même à la télé les vendeurs de sommeil, les marchands de sommeil. C'était dans un pays là, j'avais vu un reportage à la télé. Hein? J'avais vu un reportage, un monsieur qui disait qu'il fait accoucher les femmes. Il a donné plutôt les fiorons.
Il y avait beaucoup de femmes, elle avait les gros gros ventres. Il y avait un truc qui se développait. Il a donné un médicament traditionnel et ça a développé. Il faut bien écouter ça. Ça a développé un truc dans leur ventre. Il y avait une, elle, ça fait déjà 12 mois qu'elle avait le gros ventre. Ce n'était pas l'enfant qui était dedans. Donc souvent, vous les femmes là aussi, vous êtes responsables de tout ça. L'hôpital est mieux. L'hôpital est mieux. C'était en Guinée-Conakry. Non, ce que je vais faire comprendre, c'est que même les femmes qui les plaignant là, même les plaignants là, vous avez vu quel enfant qui est né, que vous avez vu où? Vous avez vu qui que on a regardé à l'hôpital, on a vu que la personne était stérile et que, je sais pas, vous avez eu la certitude par rapport à qui? Oui, les médicaments peuvent marcher sur d'autres personnes. Sur d'autres personnes, ça ne marche pas. Ça ne veut pas forcément aussi dire que c'est de sa faute. Ça ne veut pas forcément aussi dire que c'est de sa faute. C'est de ça que je voulais vous dire. C'est de ça que j'avais envie de vous parler. Que c'est bien beau de dire que oui, elle est escroquée, elle est escroquée. Vous-même aussi, vous n'avez pas les grands-parents dans vos familles qui font les remèdes traditionnels. Qui peuvent tourner aussi tourner un médicament dont vous purgez avec. Non, mais sérieux. Pourquoi tu faisais alors sa pub sur ta page, la reine mère? Mais je fais la pub parce que la personne veut me payer que fait la pub. Un commerçant vient me payer que fait la pub. Je ne fais pas la pub. Tu parles de quoi là? Hein? Allez à l'hôpital, je suis désolée. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. Quand on a un problème, on part chez les médecins. Sérieux. Et même les médicaments traditionnels que les mamans là, elles font dans. Je connais les amis qui ont pris les médicaments au pays, non? Dans les bidons là. Elles ont bu, elles sont tombées enceintes. Mais je ne sais pas, peut-être la période là aussi, peut-être, parce que des fois aussi c'est psychologique. Parfois quand tu veux trop l'enfant, tu veux trop, quand tu te couches à haut pour chercher, c'est là où ça ne vient pas. Parfois même, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas tomber enceinte, alors que c'est votre mari qui a des problèmes. Vous savez qu'en Afrique, c'est trop, on ne parle pas d'un homme qui n'enfante pas. On ne peut pas parler, c'est trop. Comment on dit ça? Je ne vais pas dire que c'est pudique, mais c'est trop. On ne peut pas dire qu'une femme, non. Il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, c'est leurs hommes qui ont les problèmes. Ce n'est pas que c'est la femme. Mais comme c'est la femme la moins chère qu'on accuse, quand une femme part en mariage, qu'elle n'accouche pas, c'est la femme qu'on accuse. Toi, tu me dis que je ne fais plus la pub sans essayer le produit. Donc moi, je ne vais même pas parler parce que je ne sais même pas. Oui, c'est tabou. C'est tabou en Afrique de dire qu'un homme, c'est tabou de dire qu'un homme ne peut pas enfanter. C'est toutes les femmes qu'on accuse. Mais dans le couple aussi, parfois il y a l'incompatibilité de sang. Quand tu te maries à quelqu'un, pourquoi ici en France, on fait d'abord les tests, on fait d'abord la prise de sang avant de se marier? Vous n'avez jamais su. Vous êtes au courant qu'on fait la prise de sang avant de se marier, non? On fait la prise de sang ici. Quand tu veux te marier en France, on te demande d'aller faire la prise de sang avec ton conjoint. Vous croyez que c'est souvent pourquoi? Parfois, c'est pour voir si vous avez le même groupe sanguin. Je sais même pas, je ne suis pas médecin pour connaître, mais je suis sûre que c'est souvent pour voir si. C'est souvent pour voir. Ouais, vraiment. Vous me faites tellement rigoler. Oui, sujet tabou. Donc, c'était ça. Et moi, je voulais aussi dire que les autres n'en rajoutaient pas. N'en rajoutez pas, sincèrement. N'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas à commencer à sortir de gauche à droite pour dire que oui, moi aussi, elle m'a fait ci, moi aussi, on a fait ci. Non,
Nous sommes tous les sœurs. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. Ça va tourner au vinaigre que moi je suis là-bas pour voir. Moi je suis ici. Ça va tourner au vinaigre. Donc si on m'appelle, je ne vais pas m'exprimer. On m'appelle parce qu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, vous parlez de quoi là? Donc allez dans vos villages faire vos traitements. Vous n'avez pas de village. Donc vous allez trouver que vos villages, c'est Facebook en fait. Hein? Ah, tant pis pour ceux qui ont annoncé ici qu'ils étaient belés alors que c'était à une organisation. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Maintenant, je vais dire à la dame qui l'a fait arrêter. Je voulais lui dire que madame, on dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Votre soeur, elle a dit que elle va vous rembourser en 4 fois. Je pense qu'il faudrait il faut avoir pitié en fait. Il faut avoir pitié. Et Cathy, toi aussi, la dame là, si elle a fait jusqu'à ce que la police t'a arrêté, c'est parce que tu lui parles mal. Depuis qu'elle te dit que c'est comment, tu lui parles mal. Tu ne peux pas vendre quelque chose à quelqu'un. Quand la personne commence à se plaindre que non, ça ne marche pas depuis, ou bien la personne t'appelle pour certains, tu commences à peut-être à mal parler avec la personne. Ça aussi, ça pousse les gens à se comporter mal. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Parfois aussi, à un moment donné, si quelqu'un, tu vends quelque chose à quelqu'un, le client est roi. Tu peux même parler à la personne calmement parce que cette dame-là, elle n'a pas décidé sur toi comme ça pour rien. C'est parce que si on te fait le truc sur mon téléphone. Oui. À un moment donné, parfois, il faut, quand tu vois même que ça ne marche pas, tu lui parles doucement, tu la rassures, tu lui dis que non. Ton problème, c'est quoi? C'est tes noyaux. Tu as entendu? Si tu es trop fâché, tu te déconnectes de Facebook. D'accord? Si tu es trop fâché, va mettre ta tête au rail. Ce n'est pas ta connexion qui en te fait le direct. Tu as compris, non? Mon problème, c'est tes noyaux dedans. Si tu es trop fâché, comme je te réponds comme ça, non? Tu te désabonnes. Il faut souvent arrêter les moralisateurs là. C'est toi qu'on a appelé. Regarde-moi ça. Si ta connexion a fini, va t'asseoir au carte. Je sais pas. Zap. Est-ce que tu es obligé d'abord d'écouter? Tu n'es pas obligé, ma chérie. Est-ce que c'est tout ce que Flo fait que vous êtes obligé d'écouter? Non, mais arrêtez un peu. Il y a quoi de mauvais là-dedans? Vous ne connaissez pas combien de milliers de personnes sont suivies? C'est comme ça que vous êtes toujours. Je m'ennuie comme toi, c'est pour ça que j'ai lancé le direct. Comme toi, tu t'ennuies à regarder, à tu cherches, tu zappes depuis là. Oui. Porte quoi. Je m'ennuie, j'ai déjà mis ma marmite au feu. Donc, je ne suis pas obligée, je sais pas, c'est ma connexion, non? C'est gratuit, j'arrive à la maison, c'est Wi-Fi. Donc, je peux utiliser, que j'utilise, pour payer pour toujours le même montant. Tu as compris, non? Ce n'est pas la connexion de 200 que je mets 2 minutes après, c'est déjà fini, non? C'est Wi-Fi. Mais Cathy est femme, elle était enceinte, non? Ou bien, je ne sais pas, elle était enceinte, non? Ou bien, je ne sais pas, elle était enceinte, non? Je ne sais pas, moi je la suis plus depuis que j'avais vu qu'elle est girouette, là. J'ai arrêté en fait de l'écouter en fait depuis quand j'avais vu que parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Sur Facebook que vous voyez là, non? Facebook que vous voyez là, chacun choisit que je suis de ce côté, meurs que là-bas. Tu ne fais pas, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu quittes, tu pars là-bas, tu reviens, tu pars là-bas. Non, parce que les gens ne t'appellent pas. C'est ça. Donc du coup, je ne regarde pas. Si ce n'était même pas ça, je n'allais même pas connaître. Moi, je ne suis pas au Cameroun, hein. Quand vous avez souvent fait vos petits, les gens qui vont sautiller sur les réseaux sociaux,
C'est les... Comment on les appelle là? Il y a même certains que j'ai même oublié depuis. Comment on appelait celle-là? Comment on appelle l'autre vieille chouette de Facebook là? Qui jubilait trop les problèmes avec Katia FMI là? L'autre vieille chouette là. Oh, j'ai oublié son nom. Oh, c'était une vieille chouette là qui vivait à Annemasse. La vieille chouette qui discutait le varan. Le varan ensemble là, c'est qui? Hein? La vieille chouette. L'autre vieille chouette là. Ah, elle faisait le buzz. Hey! Maman. On fait le buzz avec les choses comme ça pour dire qu'on en sait. Ah, c'est elle qui va se rire. Elle va manger même trois varans aujourd'hui. Mais elle va sortir. Prions Dieu qu'elle sorte. Ça va aller. Elle va signer les engagements. Et puis ça va aller. Ah, elle n'était pas enceinte. Ah. Comment on appelle le petit nom de la vieille chouette de la Suisse, de Annemasse, là, qui est rentrée définitivement au co, là? C'est qui? Elle mentait. Peau de lézard, quoi. Non, elle a son nom, non? L'autre vieille chouette, là. La vieille chouette de Annemasse là, c'est que le waka. Ah, cougar, cougar, cougar. Cougar parlait quand j'étais en Ongata. Cougar. Cougar parlait ou elle n'a pas parlé. Cougar. Shintok, voilà, Shintok cougar. Le wok de ça, maman, j'ai lancé le wok. Vous allez partir partout, commencer à écrire ça. Il faut souvent changer aussi les. On ne peut pas parler que de la même chose sur les réseaux sociaux. Je vous dis que tiens la télécommande de ça, la télécommande de Facebook. C'est moi qui la. Donc je change de chaîne quand je veux. C'est moi qui donne les sujets. Quand je dis qu'on change de sujet, on change. Oh, ah. C'est comme ça, pas autrement. Et n'oubliez pas que même en changeant de chantier sur les réseaux sociaux, en changeant, il faut tout gérer les anciens chantiers, les finitions. N'oubliez pas, pour gérer un nouveau chantier, il faut finir les finitions de... Et il faut finir les autres finitions. Ah oui, Shinto Kuga. Donc, Shinto Kuga va manger même trois varans aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas que même s'il y a un nouveau, on lance un nouveau dossier. Il faut aussi suivre les finitions de l'ancien chantier. N'oubliez pas. Dans les finitions de l'ancien chantier, vous connaissez de quoi je parle. Il faut finir les finitions. Parce que les finitions, c'est le plus difficile. Monter une maison, c'est rien. Demandez à n'importe qui a conçu la maison que c'est les finitions les plus difficiles. Ne partez pas taper l'immeuble comme vous avez tapé hier là. Hier soir. Guillaume, tu as tapé l'immeuble hier soir. Mais il faut savoir que quand tu montes un immeuble, c'est les finitions les plus difficiles, hein? Donc, il faut faire les finitions. Et les finitions, c'est en douce. Les finitions ne se font pas boum, 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 boum. Ça se fait doucement. Ah, elle n'a pas parlé. Ouais, Marco. Elle n'avait pas parlé. D'accord. Ma ministre est où? Cette vieille chouette, elle est où? Mais quand je vois une lespute comme ministre des noyaux, elle est où? Elle cherche tout de quoi manger. Elle écrit qu'elle a faim, elle a tout faim. Hein? Je dis oh, ministre des Noyaux a déjà fini de. Elle a fini ou bien c'est comment? Bonsoir mes chers frères et mes soeurs. Tout le monde
Tout le monde a deuxième chance. S'il vous plaît, aide-moi. S'il vous plaît, vous aide-moi. Elle manque, ce n'est pas elle qui écrit le français là. J'ai sommé, non. Une pétasse comme ça. Elle a pris mon gars, ma ministre. Tu as pris mon homme. Tu croyais que tu vas rester avec. Tu croyais. Aujourd'hui, tu demandes, tu dis que tu demandes de l'aide. Hein? C'était mon gars, Terabia, toi Terabia. Le gars que tu as pris, tu as dit que c'était mon homme. Je l'ai barré en 2011, j'ai barré le gars comme une vieille chaussette. J'ai jeté le gars. Hein? Comme tu étais encore à Paris avec tes dents jaunes. Regarde mes dents. Regarde ma dentition. Regarde. C'est comme ça que cette vieille chouette, elle avait les dents rouges. À l'époque, elle fumait le départ. Elle fumait. Maman, quand tu traînais encore à Viva, tu fumais la. Tu te tapais la coque. Aujourd'hui, l'argent est fumé, fini. Tu vas fumer la colle forte. Alors si, tu vas bien fumer la colle forte. Tu as compris, non? Tu vas fumer la colle qu'on soude les chaussures avec là. Regarde-moi celle-là. Qui veut venir qu'elle me prend le gars. Lombanga même, tu ne peux plus payer Lombanga. Tu ne peux pas. Alors si, dans ton foirata. Dans ton foirage là, tu peux payer le manga. Tu ne peux pas payer le manga. Tu ne peux que payer la colle. On te fait venir la colle forte des chaussures. Tu sens ça comme ça. Tu fumes ça. Tu fumes la colle forte. Tu peux payer le manga. Regarde-moi celle-là. Elle cherche l'argent pour le manga. Hein? Elle cherche l'argent pour le manga. Regarde-moi celle qui pleure. Elle a détruit ma vie. Tu as pris mon gars. Tu as pris mon gars. Tu t'es assis sur une sale chaise d'Emmaüs. Les chaises qu'on. Les chaises d'Emmaüs, vous connaissez? Parce qu'à Emmaüs, il y a les prix aussi. Hein. Il y a les chaises d'Emmaüs. Attendez, je commence à éplucher l'ail et. Oh, manger, j'ai oublié de prendre les oignons. Je commence à découper le gombo hein, pendant qu'on cause. Donc. Les vieux chaises d'Emmaüs que on laisse dehors, il pleut sur son couvre avec la bâche là. C'est le dernier prix d'Emmaüs. Donc à Emmaüs, il y a aussi la liquidation. Liquidation. C'est ça que la pétasse a payé. Elle s'est assise sur ça. À l'époque, hein, je vous parle de l'époque. Quand le dehors était encore le dehors. C'est ça qu'elle prend. Pour dire que oui. Ou bien elle va faire quoi avec là? C'était ça. Hein? Elle s'assoit, hein? Elle s'est assise sur ça. Elle m'a insulté. Pour rien, hein? Cette prostituée-là. À l'époque, elle voulait montrer qu'elle est de la jet set parisienne. Quelle jet set parisienne, même? Hein? Tu voulais montrer que tu étais de la jet set parisienne. Quel jet set parisien? Hein? Elle s'est assise, si elle buvait le chivas qu'elle avait emporté. Une femme qui emporte le whisky, maman. Elle buvait le. Elle a tout fait ça pour tourner, aller auprès de l'homme que j'étais avec. Une autre chienne. Tu as tourné, c'est aller auprès de l'homme que j'étais avec. Une autre chienne. Une autre chienne, tu as tourné pour aller près de l'homme que j'étais pour chercher la Starmania. C'est quand tu m'as insulté qu'après, elle est partie. Ça, à l'époque, ceux qui viennent d'aujourd'hui ne connaissaient pas cette femme. Vous ne la connaissez pas. Depuis, elle a menti le gars. Elle a couru là-bas à Lille. Couru. Parce qu'on lui a dit que, comme tu vois, la Essomé était sortie avec Mafo. Elle a couru à Lille pour aller sortir avec Soumbé.
Elle a menti qu'elle avait quelque chose. Elle n'avait rien. Tu as menti que tu avais quelque chose à Essomé. C'est celle-là qui va venir me parler que j'ai détruit son ménage, maman. Une femme qui rencontre un homme, premier jour, elle a acheté la voiture long châssis là. On appelle ça que quoi? La voiture que les familles nombreuses ont souvent vend ça, peut-être maximum 500 euros. C'est ça qu'elle a acheté. Pour donner aux gars. Les voitures des Arabes et des Noirs. Les Noirs de l'Afrique de l'Ouest là. Parce que les Camerounais aiment les belles voitures. Oui. Pour venir parler qu'il n'y aura de l'île, il n'y aura de l'île, il n'y aura de l'île. Fioro de livre. Maman, tu pouvais épouser un gars Douala. Hein? Tu pouvais marier un gars Douala. Je nique ta race sous ces hors brut là. Je te bloque même d'abord. Imbécile, à moi une chienne. Tu viens parler à qui? Imbécile. Regarde-moi comment elle est courte comme deux pommes à genoux. C'est elle qui va venir trop parler à Fleur de Lys. Vous me connaissez, je suis brutale. Hein? Peut-être que vous ne me connaissez pas. Dans quelques jours, on va entendre parler de moi encore. Vous me connaissez très mal. Je suis récidiviste, moi. Une fille qui a tapé 4 jours en garde à vue. Au Cameroun, vous voulez parler à une fille comme moi qui a fait un palmarès. J'ai tapé 4 jours. Hein? Regardez-moi ça. J'ai fait 4 jours. Hein? Je suis en train de passer, une fille qui a passé Pâques. Et l'autre là qui de ma pompe mais où? La péteuse là. Je vais toujours les réveiller comme ça. Oh ah. Celle-là. L'autre pétasse de pompe mais où? Elle fume. Une femme qui boit et pisse. Une femme qui boit et pète, maman. Celle qu'on appelle Poum Poum là. Et c'est elle qui va parler de Fleur de Lys. Elle a bu à Bonamou Sadino jusqu'à pisser sur elle. Elle entre que elle dépense 20 000. Elle croit qu'elle a trop fait. Jusqu'à elle voulait même me chercher. Il fallait tenter. Tu me connais. Regarde celle-là. Toujours venir faire le direct. Poum Poum. Ils n'ont dit shame. Evie. Hey, ouais, mes soeurs là. Mes soeurs quand même. Vous savez qu'avec moi, vous n'allez jamais avoir le sommeil. On est d'accord, non? Hein? Poum poum est où? Poum poum est où? Elle pète toujours. De ma poum poum. Une, ça dit que... Une femme qui boit ce qu'elle mange en dormant. Elle boit. Une femme qui ouvre le bar. C'est... Elle ouvre le bar, elle boit tout le vin dans le bar, maman. Yegoy. Tu bois tout le bar. Une femme qui ouvre le bar, elle même boit tout le vin du bar. Il n'a dit chien. Elle boit tout le vin. C'est comme ça que, vraiment, une vraie chienne, celle-là. Une vraie chienne. Il faut voir comment elle se pavane. Maman n'a pas de perruque. Sa seule perruque, là. Des filles, là, hein? Je ne peux pas me mélanger pour fumer le mbanga avec vous. Comme vous fumez, vous mangez la cocaïne. Vous avez l'argent encore pour prendre ça. Le scotch va vous tuer. Maman, le vin mousseux et le scotch va vous killam. Vous allez faire comment? Hein? Il faut les voir. Quand ils parlent de moi, quoi que sont les gens, je donne seulement un coup de poing. Bim! Moi, si là, vous allez entendre parler de Fleur de Lys. Dans quelques jours, je vais taper très mal. Vous ne me connaissez pas, hein? C'est la madame mentale. Elle a fini d'insulter par Kaki ici. Tout le monde a vu. Traité par Kaki. Dit comment ils ont binda sur un matelas. Ou c'est où là?
c'est les deux. Vous voyez que sont les gens sans personnalité. C'est pas elle qui est insultée par Kaki ici. Yosh, le mbrakata de ça. Depuis l'époque, je vous ai dit que chaque personne qui s'attaque à moi reste avec les séquelles. Celle-là, depuis l'époque, elle a commencé à parler de moi. Hein? Elle n'a plus jamais chanté l'ombrakata. Alors que c'est se concentrer. Poids de carotte est parti, vous continuez avec moi. Ne soyez pas sage, vous allez rester là des années. Tournez en rond sur Facebook, derrière Fleur de Lille. Vous comprenez, non? Vous allez toujours tourner derrière moi. Pendant que moi-même, je ralentis ma vie. Pour vous, Valo se ralentit le feu. Bande de vieilles chouettes. Depuis qu'elle s'est attaquée à moi, cette salade de poum poum, elle n'a plus rien chanté de bon, hein. Elle chante quoi? Une femme qui chante que... Une artiste qui chante seulement les musiques des deuils. Aime-moi, aime-moi, aime-moi. Anoumo, nzangalo, anoumo, nzangalo. Nzang tinga, nzanga, tinshu, tchou, tchoumoun, tamralik, lik, lik, tamralik. Anoumo, nzangale, anoumo, nzangale. J'ai dit qu'arrête de chanter les chansons des deuils des Bamileke, les chansons du voix bébé. Tu ne peux pas payer les droits d'auteur de ça à nos mamans d'avant. Tu viens prendre ça même jusqu'à ce qu'elle veut mettre dans un album. Tu crois qu'elle peut réfléchir jusqu'à écrire une chanson? Elle peut écrire une chanson, celle-là. Hein? On a go walk. Aujourd'hui, non? Vous allez faire les directs aujourd'hui jusqu'à... Oui, vous allez faire les directs cette nuit. Vous n'allez pas dormir. Je dis ça au roi. Vous comprenez, non? Vous allez faire... Moi, je donne le walk. Comme je donne le work, je sais que les abeilles vont travailler toute la nuit. Ouais. Pardon, vous serez payé parce que vous donnez trop le travail. Vous avez beaucoup souffrance. Pendant que Poum Poum va vous prendre de l'autre côté. Ministre des Noyaux va vous aussi vous prendre dans le noir. Tirabia. Son téléphone est déjà reparé. C'est l'air direct qu'elle fait avec. Elle s'est fait. Attendez, je. On coupe la lumière en France. Une femme qui fait le direct, on coupe la lumière, maman. Ouais, maman, arrête de voler la lumière au quartier. Une femme... On ne coupe pas la lumière en France. Mais cette fille m'a gagné. Elle fait le direct, on coupe la lumière. Chez elle, on a coupé la lumière. Elle dit que... Elle confirme que yes. Yes, maman. On coupe la lumière. Non. J'ai confirmé le jour-là que... Yes. Maman, on coupe la lumière en français. Hein? Une femme qui fait le direct, on coupe la lumière. Et c'est ça qui va parler à Fleur de Lille. Il y a le délestage en français. Depuis que je suis en France, on a jamais coupé la lumière. Jamais. Si on dit qu'on coupe la lumière même... Je ne sais pas, on peut couper l'eau parce qu'il y a un tuyau peut-être en route qui est gâté. On avise qu'on va couper l'eau de telle à telle pour repartir. On coupe la lumière en France. La fille, on a coupé la lumière chez elle. En France, maman. En plein Paris, on coupe la lumière chez quelqu'un. J'ai confirmé que... Ben, ce que vous voyez là, non? C'est catégorie par catégorie. Je vous ai dit que ces filles-là, des vieilles chouettes qu'elles. Bon... Donc, elles vont faire les directs. Hein. Ça va, je dis que quand vous restez sans parler de moi, hein, ça m'énerve. Wana go talk. C'est l'appel. Regardez comment elle est partie au Cameroun là. C'est les chèvres que vous voulez voir. Qu'elle enterre dans les cimetières. Elle a dû tuer les chèvres jusqu'à. Mais si tu voulais boire ma bière, vieille chouette. Avec sa copine. Ministre des Noyaux. Elle a aussi tué les chèvres, enterré au cimetière pour qu'elle sombe, pour être avec un homme, pour qu'elle sombe revienne. C'est sur elle qu'elle confirme que le marabout manque. Oui, ma ministre, c'est sur toi qu'elle confirme que le marabout c'est un menteur.
Une femme qui consulte le marabout comme le médecin, elle va aller dormir avec son mari, elle appelle le marabout pays, allô? Comme ils appellent leur marabout que docteur, allô doc, docteur, je vais dormir avec lui demain, je donne devant ou derrière, vieille chouette. J'ai dit que c'est sur toi qu'est confirmé que le marabout ment. Quand le marabout t'a convaincu que, oui, je suis en train de voir ici que, je suis en train de. Quand on ne vous mente pas, on peut parler chez un marabout pour avoir un homme. Parce que la façon que cette fille a pleuré, le gars là, j'ai compris que les marabouts sont entrés en jeu, non? Le marabout, il a fait de ses promesses, le marabout. Oui, si tu achètes, dès demain, on commence le travail. Derrière la maison, donner les emplacements, aller travailler, maman. Tu vas aller faire le marabout là-bas à Deido. On te dit que la nuit à 23h, il fallait. Il va venir faire le work. Dans la famille du gars, tu as envoyé l'argent 150 euros. Wesh! Il a bu sa bière au quartier avec. Yeah! Non, j'ai confirmé sur toi que le marabout ment. Mes chers frères et sœurs, les marabouts sont des menteurs. Il ne peut pas prendre un homme qui est parti pour te remettre. C'est ton comportement qui ramène l'homme. Quand une fille s'assoit sur Facebook, elle écarte, elle insulte son mari sur les réseaux sociaux. Il va revenir par rapport à quoi? L'autre est parti, ça bouille ça là. Oui, quand tu fais nuit, la lumière du jour ressort. Dis ça bouille ça là. Ça bouille ça là. Et, pitiation, les filles de Beng souffrent avec les hommes. Maman, le gars est dur ici. Quand on rencontre un homme, on fait tout pour bien garder le gars. Moi, je ne suis pas mieux. Parce que ce n'était pas Facebook ce que je suis dedans. C'est que j'ai un vrai gars. Pas les pépettes. C'est parce que je suis à Facebook. Mon gars préfère venir me voir en cachette parce qu'il ne veut plus. Il a dit quitte Facebook, j'ai refusé. C'est pour ça. Comme ce n'est pas lui qui paye mes factures, j'ai choisi Facebook. Ça a bouilli ça là. Hein? Toujours en train d'aller chez les marabouts pour attacher l'homme. Mais le gars, on ne voit pas. Hein? Et les gars que vous attachez là, les filles vont attacher ceux qui ont même l'argent. Pour vous, c'est les gigolos première catégorie. L'autre là, poum poum. Son homme même, c'est qui? Que des vieux blancs handicapés qu'elle attache. Les vieux blancs handicapés. Hein? Voilà sa catégorie d'homme. Les sous-là qui viennent souvent dans son bar prend le crédit là, non. Et c'est passé pour les noirs, non. Attends, le jour qu'elle était arrivée à Lille, Pompoum est arrivée à Lille, le jour elle a dormi sur la chaise au restaurant Le Cristal, j'étais assise comme ça. J'étais assise comme ça. Elle était couchée sur le banc. C'est comme ça que j'ai entendu. C'est comme ça que j'ai. Elle était assise sur le banc. C'est comme ça que j'ai entendu le silencieux. Elle a lancé un silencieux qui n'avait pas de nom. C'est ça qui va venir me parler. Une femme qui pète au restaurant. Une femme qui s'assoit dans un restaurant comme ça, elle pète. C'est ça qui va venir parler à la reine-mère. Une pèteuse. Ce sont elles qui vont faire les directs. Vous croyez qu'elles peuvent me faire quoi? Depuis que vous faites que les directs, il faut faire le face-à-face. Qu'est-ce? Hein? Tu comprends, non? Oui? Pas les pépettes. J'ai dit qu'une pèteuse. Et elle avait fait le Congo ça le jour-là. Elle a fait le Congo ça le jour-là. Cette poum poum. Des noyaux. Mais elle peut avoir un gars noir. Les gars noirs, mais attends, le jour-là, si je voulais. Comme quand elle était couchée là, il y a un gars là, un de mes amis là, je ne vais pas citer son nom. Il m'avait fait un geste que c'est comment celle-là. Quand j'ai entendu son silencieux, lui-même il a rigolé que mais le genre de fille, si tu me bindes avec elle, elle pète au lit. Maman, même quand tu vas chez ton gars, quand tu avais un homme la première fois que tu as envie de péter, maman,
Même pour aller aux toilettes, tu as d'abord honte la première fois. C'est pas ton gars que tu peux chier devant ton gars. Tu laisses la porte ouverte. Quand un gars est à ton gars, mais un dossier que tu cherches en commandement, quand tu veux même péter, que tu es couché au lit, tu pètes silencieux. Tu fais je ne sais pas, tu dis que j'arrive, tu fais comme si on tapait au téléphone, tu pars au couloir, tu pètes au couloir, tu reviens. Pas comme Pompo, elle pète devant le gars le premier jour. Yesh, pitiation. 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 Elle pète devant un homme le premier jour. Elle est couchée, elle oublie. Sans compter ceux qui pissent à l'eau. Comme elle boit le vin, elle dort, elle rêve qu'elle est en train d'aller aux toilettes. Moi, ça a failli m'arriver. Elle pisse chez le gars, mais pas chez le gars. Maman, quand tu vas chez un gars la première fois, tu ne saoules pas. Tu fais attention de ne pas trop saouler. Tu ne bois pas trop. Ce n'est pas que tu vas chez un gars la première fois. Tu bois jusqu'à ce que tu te couches au lit. Si c'est même ton homme déjà, que c'est ton titulaire, maman, tu peux même pisser dans son lit. Il ne va rien faire. Tu peux même pisser sur son lit. Il va couvrir avec la serviette. Tant que tu pisses que sur ta place où tu dors, il n'y a pas de problème. Celle-là, elle passe chez un homme la première fois, elle pisse. Yosh, pitiation de ça. Le jour que Poum était venue à Lille, elle voulait draguer mon ami. Elle voulait draguer mon ami. Quand elle a lancé, mon ami a dit que, pardon, que ta soeur. Maman, j'avais honte jusqu'à maman. Tu sais, quand quelqu'un pète devant toi, tu veux. Tu es entré dans l'avion que quelqu'un soit. Les gens retirent leurs chaussures, maman. L'odeur de ça. Ça sentait jusqu'à. Mais comme c'était ma soeur, j'ai supporté tes pépés. Ya, poum, poum. Je supporte tes pépés devant les gens. L'odeur de ça. C'est toi qui t'assois sur Facebook. Tu m'insultes, mamie. Achète son couet. Ouais. J'ai supporté tes pépés le jour-là parce que tu es ma soeur. J'ai dit que même si tout le monde se lève, que ça sent, je ne me lève pas. Je reste là pour montrer qu'il n'y a rien, alors que ça sentait. Je suis restée, j'ai fait semblant comme si tu n'as pas pété. Tu as bien pété fort. C'est ça qui s'assoit pour insulter Fleur de Lille. Non, je n'étais pas à côté d'elle, elle était assise. Elle a fait le... Tu connais le genre de... Le genre de pète-pète qui sort comme si ça sortait avec la petite diarrhée. Ça, d'abord fait... Ça fait tra 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 un genre. C'est ça qu'elle a pété. Je dis ça, ho-ha. Elle va me faire quoi? Hein? Quand il y a une fleur de lune, c'est ma soeur. Elle est partie chez le marabout, elle a gâté ma vie. Tu n'as rien vu encore. C'est vous qui partez chez le marabout avec mon nom. Ça vous brûle, ho-ha. Parce que c'est le djinjim. Le djinjim vous brûle. Propre. Il faut voir le jour. Là, elle a fait le Congo ça. Poids de carotte. Elle avait fait le Congo ça sur ton nom. Que poids de carotte a dit que quoi là? Elle avait fait un Congo ça là sur poids de carotte le jour là. Elle a bu. J'étais payé 3 Guinness. Elle a bu goulou 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 goulou. Une soulade. Tu offres la Guinness. Une femme te boit 3 Guinness en quelques minutes. Pitiation. Après vous avez dit qu'on boit tout au Cameroun. On boit en bain plus qu'au pays. Tout le monde est soulard ici. Mais ça part de saouler là. Hein. Ya, yeah, tu es venu en Europe boire le vin. Une fille que dès qu'elle a, elle a peut-être 300 euros pour boire le vin, elle part au pays. Juste pour boire le vin, elle n'est pas parfaite. Elle part boire la bière. Avec toutes les bonnes bières qu'il y a ici. Soulade. Comme ça qu'elle boit. C'est comme ça qu'elle boit. C'est comme ça qu'elle saoule. C'est comme ça qu'elle pisse. Yish. Le jour-là, poids de carotte, le jour-là, on avait fait le Congo ça de ton nom, le jour-là. C'est Poum Poum a fait le Congo ça de ton nom. Elle a aussi fait le Congo ça d'une tata de Paris, que c'est la tata-là qui est le marabout des Féman. Oui, Poum Poum a fait le Congo ça le jour-là, jusqu'à dire que mais quelqu'un ne te connaît pas, il te fait le Congo ça. Elle m'a fait le Congo ça. Et c'est elle la première à vouloir faire comme si, comme vous les voyez là, elle veut être mes amis. C'est pour ça que elles veulent être proches de moi. Comme vous les voyez là. Il faut voir quand elles sont proches de moi. Quand elles sont à côté de moi, tu les vois. Elles sont tellement intimidées par ma force de femme, ma puissance que Dieu a donnée. Il faut les demander. Quand elles sont à mes côtés, elles me regardent comme ça. Parce que moi, je suis petite. Hein? Faut pas me voir sur les réseaux sociaux comme ça. Je suis très petite. Hein? Je suis petite, je suis...
Je suis une femme simple. Mais la puissance de sa maman, quand je suis assise quelque part, l'énergie que je dégage devant cette ces vieilles sorcières. Quand je suis quelque part, l'énergie que je dégage devant ces vieilles sorcières là, ça les fait comme le... Tu sais quand le courant... C'est quoi? C'est quoi le faux signe des appels là? C'est quoi? Vous appelez quelqu'un, la personne décroche, vous attendez. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oh. J'étais en train de dire quoi? Oh, j'ai oublié. Oh. Je disais quoi? Je disais même que quoi? Oh, voyez, non. C'est comme ça quand je vais d'ailleurs causer que c'est bien. C'est comme ça que ça se passe. J'étais en train de parler de poum poum, non? Oui, j'ai dit qu'elle avait parlé de poids de carotte. Oui, elle est venue en Benboa le vin. D'ailleurs même, une cuvée des abeilles. Je vous présente ça ce week-end. La cuvée des abeilles. Parce qu'on se lance dans du vin. Le blanc, moelleux et le rouge. Vous aurez la liste des distributeurs au Cameroun et en France. Donc, ce week-end, je vous présente la bouteille et tout. On va travailler là-dessus. Donc, pour les buveurs de gens là, les gens qui sont venus en Bengpu, le vin là, il n'y a pas de problème, on va vous servir à boire. Oui, j'ai parlé de poum poum, non. Oui, celle-là, c'est une vieille chouette. Et puis, vieille chouette, hein. Depuis que... C'est-à-dire que ces filles-là, quand je suis assise quelque part, je dégage l'énergie. C'est-à-dire que tu as fait que tu veux brancher le courant au pays. Quand peut-être tu as l'eau sur les mains, ça te fait comme si on t'a cassé les pieds, ça te fait comme si on t'a tapé. Quand je suis quelque part, c'est comme le courant électrique. Il faut voir comment elles sont toutes calmes. Elle ne parle pas quand je suis là, je vous dis. Elle ne parle pas. Bon, on dirait que ça a planté. Bon. On va alors couper, non, les sorcières, là, elles ont coupé le live. Je coupe, non. Moi, je ne vois plus les commentaires, c'est bizarre. À cause des gens qui essaient d'appeler, là. Ou bien on a seulement bloqué. Ou... On ne peut pas bloquer ici, là. La page est sécurisée, hein. Ah, ok, félicitations de quoi? Que tu es une bosse. Ah, personne n'a bipé qui? Moi, je bois le vin blanc. Moi, je vais te bloquer. Hein. Clémence, là, machin, là, je te bloque ici. Tu viens faire la publicité de qui ici, là? Je te bloque. Tu vas aller parler ailleurs. Continue à venir prononcer les noms des gens qui m'énervent dans mon direct. Si vous ne voulez pas donner les surnoms aux gens, vous donnez les noms, je vous bloque. On est bien d'accord. Voilà. On est où là? Pourquoi? Tu coupes quoi? Le direct, non. Je coupe alors, non. Je vais prendre une deuxième bière de bois. Vraiment, je dis comme de ma poum poum bois là. Nous tous on boit ici en Bénin. Vraiment, l'alcool ici là, c'est quelque chose. L'alcool ici en Europe, on boit trop le vin. Quoi, c'est le vin? Ouais, maman. On va faire comment? Je vais prendre quoi, je découvre. Je prends une deuxième bière et puis je prends... Je vais faire un petit gombo là, vite fait. Il est quelle heure? Pardon, je ne peux pas vite. Poisson fumé, si j'aime d'avoir bouilli ça, j'enlève l'eau. Des fois, ça sent, hein. Ça sent mauvais. Vous allez m'excuser, hein. Voilà. Vous allez m'excuser.
Congo, ça était sur qui? Sur Poum Poum, non. Attends, il prend une bière. Maman, je vais faire comment? Je vais faire comment? Je bois la bière comme ça, alors que je vais sortir ce soir. Hein. Je vais aller au restaurant. Donnez-moi un bon restaurant ici à Paris, s'il vous plaît. Donnez-moi un bon restaurant ici à Paris. Hugo, ce soir, un bon restaurant. Je ne veux pas où on crie. Je ne veux pas le restaurant des bruits. Je ne veux pas. Donnez-moi un restaurant ici à Pago. Maman, je ne suis pas différente de Poum Poum. Maman, la jambe de ça, on va faire comment? C'est pour oublier les soucis, non, maman? Quand tu es en banque, tu n'as pas le gars. Là, c'est chaud, hein? Nous, on ne boit que l'alcool. On va faire comment? Que je ne coupe pas. Maman, le gars est dû ici. Quand tu vois les ministres des noyaux signés sur les gars comme les Essombé là. Mafo, tu vas mettre le concombre dans la sauce gombo. Non. On ne met pas le concombre dans la sauce gombo. Nous, les Camerounais, on ne prépare pas comme ça, ma chérie. On ne met pas les aubergines, nanani, non. La sauce gombo, je fais simple. Je vais mettre les oignons, le mbunga. Non, je mets les oignons, c'est mon oignon. Je ne mets pas, j'ai les condiments écrasés au frigo. Ma ministre, il est malé, tu n'as pas honte d'aller à Bado. Bado. Bado des rebeux. Maman qui part à Bado. Qui va aller à Bado? Ouais, maman, c'est ça. Qui va aller chez Bado? Bado, non. Les abeilles, on veut la tenue anti-jalousie. Il y a beaucoup de célibataires ici à Mbengue. Tu ne vois pas mes appels. Les appels qu'on se connaît. Envoie le numéro d'appel alors. Qui va appeler? C'est WhatsApp. Qui va appeler le numéro? Qui peut mettre le numéro d'appel sur WhatsApp là? Vous connaissez le numéro d'appel là, non? Qui connaît même le numéro là? Ouais, Marcia. Marcia, maman. Marcia, je te donne le médicament de la toux là tout à l'heure. Marcia. Il y a le numéro de WhatsApp pour appeler. Je fais le thé. Ok, thé au citron. Hein. Non, le gingembre. Non, j'achète le sirop, non, à la pharmacie. Donne l'eau. Ok, maintenant, ça nous. Ok, il y a ça. Maman, pourquoi? Hein, avec les cachons. Vous savez pourquoi? Voilà. Hein, avec eux. Je fais le concombre. Je fais le couscous. Couscous sauce gombo. Un petit foufou, hein. Le foufou, là, c'est petit. Pas beaucoup. Juste un peu. Ce qui va souffrir à maman. Maman, petit couscous, un petit foufou qui va souffrir. Voilà, voilà. Alors, un instant, oh, qui m'a appelé pour tenir le direct, le live? Qui appelle? Je mets qui pour tenir le live? Non, donne. L'eau plate. Ah, l'eau plate, d'accord. Voilà le téléphone pour appeler. Le numéro que vous connaissez là. Il ne faut pas appeler sur ça. Et la tomate que j'ai achetée. J'ai acheté la tomate. J'ai dit que j'ai les beignets. Personne n'a appelé pour avoir les beignets. Vous faites le
régime, non? Les bons beignets que j'ai fait hier, je vous ai appelé. Quelqu'un appelle, d'accord. Allô? Allô, ma grande femme. Oui, ça va. Ça va, comment tu vas? Ah, ça va bien. Et toi, tu vas bien, mon frère? Tu es très belle. Tu es très belle, même. Je sais pas. Attends, vas-y, parle, on t'écoute. Je suis tellement fan de toi. Je sais pas, mais comme je suis ton petit frère, bon, ça ne va pas marcher. Tu dis quoi, mon frère? Je dis quoi, mais je suis tellement fan de toi, tellement tu es belle, tu es toujours kéné kéné là. On ne comprend pas là, tu ne veux pas vieillir quoi. Non. tu es toujours rempli là, tu es toujours rempli comme ça, on ne comprend rien là. C'est quel médicament tu prends là? Ah, je suis toujours. On nous donne aujourd'hui aussi, on va utiliser ça aussi. Ah, je suis toujours quelqu'un. Ah, tu es toujours quelqu'un comme ça là, on ne comprend rien là. Ah, ah bon? Si tu regardes aujourd'hui, demain là, si tu regardes, tu as dit non, demain même il est plus dangereux qu'aujourd'hui encore. On ne comprend rien là. Ah, tu es sûr que? Yes, c'est la vérité. Dis-nous le secret aussi. Ah! Dis-moi le secret. Ah! Je suis célibataire, mon frère. Non, garçon qui va s'amuser avec ça là. Ah, mon frère, c'est toi-même là. Toi, garçon, là, on doit t'intéresser vivant même. Ah bon? T'es sûr? Ah, mais c'est la vérité, non, on doit t'intéresser vivant. Ah! Ah, tu es sûr? C'est la vérité, le manger comme ça, on ne gagne pas de. Si tu as gagné, il ne faut même pas s'amuser. Faut... Ah! Mon frère, moi, célibataire toujours. Moi, chercher un garçon, moi, je ne trouve pas. Tu as si bien, tu commences à souffler bien, tu souffles bien. Ah, je dis, je suis. Si les moustiques viennent là, il faut les chercher. Les moustiques là. Ah! Mon frère, tu es où? Tu es dans quel pays là? Tu es dans quel pays que? Et c'est en Suisse. Ah, toi, tu parles, moi, tu dis, tu en suis, tu manques, tu mens. Je connais pas. Ah, tu dis là. Mais il faut regarder mon numéro, c'est quel négatif. Faut regarder, si j'ai mal, faut regarder les négatifs. De quoi? Il dit, faut regarder les numéros négatifs, c'est quel numéro, faut regarder, c'est quel numéro. Tu connais tous les numéros, non, faut regarder, c'est quel numéro. Si c'est pas en chiche. Ah, c'est toi qui dis Choco-cho. Il faut laisser ça. Il dit que tu utilises quel médicament, c'est quel condiment tu manges. Dis-nous, nous aussi, on va manger. Moi, j'utilise éclat miel. Moi, je mets éclat miel, lait, éclat miel. Ah, non. Mais attends, je vais te demander quelque chose. Devant la même là, c'est quel médicament tu prends, c'est toujours arrêté comme ça, André. Toi, je connais toi. Toi, tu appelles de Côte d'Ivoire. Je connais. Toi, tu es Ivoirien. Non, faut regarder le numéro. Non, je suis en Europe ici, je suis en Europe. Ah, ok, tu es Burkinabé, je connais toi. Tu es Burkina. Oui, je suis Burkinabé. Ah, je connais, non, que tu es Burkinabé. Tu connais, moi, j'avais parlé de toi. J'ai dit, tu connais, mais j'ai dit, devant là-haut, c'est tu utilises quel pommade même, c'est toujours arrêté comme ça, ça ne descend jamais, tu portes jamais le cimetière, mais. Ah! C'est le vrai mangement, les chocolats, les ananas, les mangues, les jus mélangés là. Ah, ah, je ne comprends rien. Ah, donc tu es fan de moi. Quand quelqu'un dit je suis fan de toi, ça veut dire qu'il t'aime. Ça veut dire quoi?
Ah, tu es fan de moi, ça veut dire que tu m'aimes. Tu es fan de moi, c'est ça. Je te dis non, je suis fan de toi même. Si je regarde ton vidéo même là, ah, ça me fait genre là. Si je regarde devant là même là, c'est mélangé banane, orange, comme ça, les jus, chocolat, vrai jus, les jus, c'est pas les jus. Après toi même, c'est les nyangou nyangou là, c'est pas les jus nyangou nyangou, hein. C'est le vrai jus même, André. Ah, moi c'est. Ah, non, t'es le vrai, non, t'es le vrai Afrique. C'est des vrais Africains, c'est des vrais. Ah. C'est ça qu'on appelle. Ah. Je te dis non. Mm. Ah, toi, du village de Balafré, de pas Balafré. Attends, je te demande. Il y a des garçons aussi qui s'amusaient à ça aussi, quoi. Il y a des garçons qui étaient à s'amuser à ça, quoi. Ah! Non, dis-moi la vérité, non. Non, il n'y a pas garçon pour moi. Il n'y a pas garçon pour moi. On ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser avec les vrais nourritures. Les nourritures, tu ne gagnes pas là, tu te gagnes là. Faut bien contrôler, tu commences à souffler les moustiques. Ah. Les moustiques, tu commences à souffler. Oh, ah. D'accord. Eh, hey, Yako. Non. Tiens. Je te suis depuis en 2014. Ah, ah bon? J'étais en Russie. J'étais avec les Camerounais, tout ça, il y a mon ami, même lui-même, il est en France actuellement, il est en France. L'autre, là, ils sont partis au Cameroun. Ah bon? J'étais sûr depuis. Oui, j'étais à Moscou, j'étais sûr. Uh-huh. D'accord. Je suis venu en Europe. De ton Facebook, là, c'était mélangé. Ah! Ah, d'accord. Et t'es dit, ah! Ma chère. Moi, j'ai dit, il faut me donner le secret. Ton secret là, donne-nous le secret là. Ah. C'est ça, je veux savoir. Merci ton beaucoup. Secret. Moi aussi, je suis fan de toi. Bisous. Non, je suis fan. Non, on ne peut pas partir là-bas. Là. C'est beaucoup, non? Ah, c'est quoi pour vous? Il y a des. Là-bas, là, le terrain, ça là, c'est trop lourd pour nous. Hein. On ne peut pas. On dit. C'est trop lourd. Ah, d'accord. Ça, c'est pas pour les enfants. Hein? Ah, papa, ah, mais si on voit même là, on voit le corps même, on voit les peaux là même, on sait c'est pour les papa, c'est pas pour les plaisanter là. D'accord. Moi, embrasse-toi, d'accord. Bisous. Tu vas embrasser la voix, ça va me donner beaucoup la joie dans les cœurs. Ah, d'accord, mon frère. Tu as mis de quelque chose dans cagnotte? Dans les cagnottes? Ouais, cagnotte. Cagnotte pour mettre l'argent, tu as mis combien? Ah, cagnotte pour l'argent, quoi? Oui, cagnotte qu'on a fait pour aider Mafo. Oui, pour mettre l'argent pour aider la reine mère. Tu as mis combien? Non, mais moi, je n'ai pas vu les associations, ça. Je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu ça, c'est Litchi. C'est où tu cliques, tu mets l'argent avec carte bleue. C'est Litchi, c'est... On crée ça sur Google. Litchi, Google. Pas Google, tu envoies-moi l'argent. Mais j'ai dit en Google, non. Non, pas Google, tu envoies l'argent à moi, à Western New York. Moi, je suis parti retirer. Parce que j'ai beaucoup souffrance. Okay. J'ai beaucoup souffrance beaucoup maintenant. Souffrant. Oui. Amen. C'est quand même, je peux te voir un seul jour dans ma vie aussi. Ça me fait beaucoup plaisir aussi. Oui, tu m'envoies l'argent, je paye billet d'avion, je viens te voir. Tu m'envoies l'argent à Western Union, tu m'envoies l'argent là. Tu m'envoies l'argent. Ok. Ok, tu m'envoies combien? Mais toi, tu veux te déplacer combien? Ah, tu as combien? Tu gagnes combien par mois d'abord? Ah, donc tu ne travailles pas, tu viens draguer belle femme comme moi. Tu ne travailles pas, tu viens chercher femme avec sein debout, avec tout debout, choco, chaud, bien choco. Tu viens draguer, tu n'as pas l'argent, c'est ça? Non, mais ce que moi j'ai gagné, moi je ne peux pas te dire ça aussi. Oui, mais je dis, tu peux donner combien? C'est ça que je demandais toi. Tu peux envoyer combien à ta star? Tu regardes-moi tout le temps, tu dis, tu aimes moi depuis 2014. Donc tu ne peux pas envoyer l'argent à ta star, c'est ça?
Mais à Masta, et si ce n'est pas maintenant, moi je cause avec Masta, c'est pour regarder son vidéo seulement. Oui, mais J'ai tu es regardé son franc. vidéo seulement. Maintenant, je dis, moi, j'ai beaucoup souffert, j'ai Est-ce que beaucoup de là problèmes. même, la star même, il n'a pas temps pour nous. Un jour, le star, s'il est fâché là, nous-mêmes, on est fans, même là, il insulte tout le monde. Les fans, nous. Tu parles quoi maintenant? Hein? Je dis, oh. Moi, tu m'envoies combien? Parce que moi, j'ai beaucoup souffrance au Cameroun. J'ai beaucoup souffrance au Moi, Cameroun. je t'invite à partir au Cameroun pour venir. Tu as dansé tout ça dans les vidéos. Tu es parti dans les boîtes de nuit. Donc, Tu as tu m'envoies dansé. combien? Laisse-moi le beaucoup bavardage. Tu m'envoies combien? Tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas. Tu vis en Suisse où on garde tout l'argent du monde. Tu vis en Suisse où il y a tout banque. Tu n'as pas l'argent. Tu viens regarder Fleur de Lys. C'est ça. Mais si tu as l'argent, tu te regardes plus dans l'île, ça fait quoi? Donc je dis maintenant, tu m'envoies combien? Dis-moi, tu m'envoies combien? Mais faut pas me prendre en vitesse comme ça. Bon, au revoir. Au revoir, moi je laissais toi, moi je parlais longtemps, longtemps, tu dis, je t'envoie, tu m'envoies combien? Tu n'as pas l'argent. Hein? Maintenant il a coupé. Vous avez vu un foiré, non? Je vous ai dit que c'est les foirata. Ça, c'est un autre foirata. Il faut voir le foirage de ça. On a parlé l'argent, il est où? Il a disparu. Hein? Je vous ai vu, j'ai demandé l'argent, il a fui. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas. Il faut appeler. Je t'en prie, j'ai des suggestions à te faire entrer en partenariat avec. Vous savez, chacun regarde beaucoup de choses. Hein. Bonsoir, Mofo, j'espère que tu vas bien. J'aimerais faire un cadeau à maman. Comment je possède? Ah, tu m'écris, non, maman? Le numéro, quelqu'un peut mettre le numéro là? Maman, j'ai tourné le couscous, c'est pas encore pris la sauce. Hein? Ouf, maman, ça arrive, il faut descendre la poubelle. Non, ma pote, ça va. Ma pote, elle va être comment? Tout à l'heure. Vous m'avez invité au restaurant. Ah, vous dites d'appeler, vous n'appelez pas. Donc, je coupe alors. Je voulais appeler. Le négatif, c'est quoi? Ok, on voulait déjà, gars. Vous avez dit que raccroche, je raccroche. Maintenant, j'ai raccroché, vous n'appelez pas. Donc, on coupe le live. Hello, je suis en retard. Sujet, c'est quoi? Donne le numéro est déjà là. Non, ne coupe pas. Voilà le numéro que quelqu'un a mis, non. Je m'ennuie, non. Comme vous. Indicatif. Négatif. Ouais, j'appelle encore le gars là, alors. Allô? Bonsoir, René. Bonsoir, ma chérie, ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, ça va. C'est qui à l'appareil? C'est quel faux profil, ça?
Non, c'est pas un faux profil. Bon, c'est Vano, là, tu as lu mon commentaire tout à l'heure. Mais je ne suis pas faux profil, mais je te suis depuis 2013. Donc, c'est juste choco de t'écouter, quoi. Ah, c'est choco. Ouais. L'autre dit. Trop, trop choco de t'écouter. Tu Aïe. vois, et bon, quand tu te Cameroun, là, ça m'a trop fait mal. Mais bon, Ouais, faut maman. arrêter son cœur, non. Oui. Et Oh, après, tu bon, quand tu es rentré, on savait que tu devais rentrer. En tout cas, tu n'avais rien fait. Donc, on s'en fout des autres, là. C'est un peu Oh. ça. Tu es dans quel pays, Et toi? puis, je vais te dire. Non, toi, tu veux me reparler, mais je ne veux pas te dire. Et en plus, j'ai déjà vous dévoiler mon nom, quoi. Ah, d'accord. En tout cas, tu as une voix qui m'est familière quand même, hein. Justement, parce que j'ai l'habitude d'appeler. C'est J'ai vrai. appelé deux fois. J'ai appelé deux fois, et puis, bon, c'était déjà. Je t'ai dit des trucs chocos, quoi. Peut-être c'est ça, alors. Ah, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Et Oh. que, ouais, t'es un mot trop mal, tu peux pas comprendre. Non, non, C'est tu ne vrai. peux pas comprendre. Bon, choco. Appelle-moi en Bon, vidéo, je tu vais te es voir un peu, choco. non? Non, 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 on non, va pas te voir, je non, serai la seule à te voir. Ouais, toi aussi. non. Attends, on va se prendre un autre jour. C'est Sérieux, mais pas vrai. aujourd'hui. Oui, je suis. En fait, je suis pas avec la bille, donc c'est pas trop cool, quoi. Tu n'es pas avec la bille, mais c'est pas grave. Ça fait quoi? Les filles se lavent entre elles, non? Appelle. Oh gosh, non, 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 Pourquoi? pardon. Ouvre, prochainement, je t'appelle. Je t'appelle Pourquoi? prochainement, s'il te plaît. Ok. Oh, pardon. Ne fais Pourquoi? pas ça, s'il te plaît. Pardon. Maman, ton Arrête rire de me là, dire tu à peux. toi. Vas-y, appelle-moi en vidéo. Je vais te Ouais, regarder. maman, mais pardon. Je Pourquoi te tu m'appelles demande ta mère? Je pardon, peux je t'ai pris. t'accoucher. Oh, dis donc, Je arrête de se rigole, grossir. En oh, fait, je dérange. je Maman, sais, t'inquiète pas. En tu fait, je ris voulais le te genre dire. que. Ton rire, tu ris le genre de rire comme si c'était la première fois que tu es en binda, quoi. Tu sais le genre que. Quand tu viens d'avoir un gars. Ça veut dire que tu es heureuse. Tu es. Non, c'est un Waouh. peu ça, c'est choquant pour moi, tu vois. Et puis, c'est en fait, c'est comme c'était un privilège de te parler, même comme les gens ne comprennent pas ça. Du coup, moi, j'ai pris l'habitude de ne pas te juger dans ton négatif parce que chacun a un mauvais côté. Et du coup, moi, je reste avec ce positif que je vois en ligne. Et puis, je suis contente avec ça, Quelqu'un c'est dit un que peu tu ça. avais ton gars, c'est pour ça que tu ne veux pas. Bon, peut-être que j'ai un Mina qui sait même. Non, Mais je sais. attends, nous aussi on veut aussi rincer les yeux, non? Non, non, ne t'inquiète Dis pas, donc, tu c'était un caches choco, je quoi? Pardon, savais. laisse-moi, attends, je t'appelle en vidéo. Tu caches quoi? Dis donc, Non, décroche, hein. je ne peux pas prendre sérieux. C'est arrivé, Pourquoi? bon, c'est parce que je suis à l'université. Je suis à Ah, tu l'université. avais tes Je collègues. suis. Oui, je suis à l'université. Ah, d'accord, ok, Ouais, ça va pardon. alors. On va... Oui, je vais t'appeler prochainement en vidéo, je te promets. Et je voulais te dire merci comme personne de ta maman. C'est vraiment choco, je te dis. Et Ah. c'est un truc que moi-même, j'aimerais. Ouais, Un c'est peu de cool. courage. Merci ma grande, merci beaucoup. Je Bon, merci, t'embrasse. Je te fais des gros bisous, ouais. hein. Gros bisous. Gros bisous. Je te fais 100 gros bisous, quoi. Merci. J'espère Bye. que tu n'es pas l'engagé qui est parti menacer mon fiancé là-bas au pays, hein. Gosh, non, pardon. J'étais au pays, mais bon, j'ai pas menacé ton fiancé. Je ne connais même pas. Non, Bon, ok, c'est un peu merci, ça. C'est un hein. peu Bisous, ça. Ok, bye. bisous, maman. Bisous. Eke maman, Eke maman, ça c'est la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, ma reine-mère. La plus belle des belles. Ça va ma chérie? Ça va, je vais bien, et toi? Ouais, bien, très bien. Oh, ça fait plaisir de parler avec toi, la reine-mère. Depuis que je te suis là, Ouais. waouh, je n'en reviens pas. Maman, le wattisage de ça, tu es né. Ah, on dit que tu es choco. Tu es choco. Tu es choco. Appelle du Sénégal, je suis une de vos followers. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est le niveau du Sénégal, d'accord. Tu as des beaux cheveux. Ben oui. Waouh. Ah, merci. Merci Magnifique. beaucoup. Ben, je voulais juste faire un coucou et t'encourager aussi. Et sache que tu n'as pas juste des followers camerounaises. Les Sénégalaises aussi, elles te supportent. Allez, gros Ah, bisous à toi. bisous ma Bye bye. grande, Merci. bisous, bye bye. Vous avez vu, non, maman, quand vous dites interplanétaire, maman, la Starmania de ça. On a déjà mis le numéro, non?
Ma flor. Maman, tu es belle, tu comprends, non, Mako? Mako, tu es belle. Pas les lol. Tu es belle. Pas les lolettes. Pas les lolettes, tu es belle. Mako. Maman. Maman. C'est un gars qui est sur la photo comme ça, c'est toi. Mafo, c'est moi, comment toi aussi. Mais je crois que c'est une travelo, non, maman? Parce que tu peux aussi être travelo. Tu peux mettre rouge à lèvres, ça fait quoi? Non, en fait, tu vois, je suis en train de voir comme d'essayer, tu vois. C'est pour ça que j'ai contacté dernièrement Diva Makala pour avoir les conseils. Mais tu sais que, voilà, tu te souviens quand je t'avais envoyé, quand Park à qui t'avait contacté, tu es parti pointer jusqu'à ce qu'il devait te payer 800 euros aussi. Il t'a fait à crédit, là. Exactement, tu vois. Donc, du coup, je suis en train de... Je veux que tu sois témoin au tribunal, hein. Tu seras témoin. Tu seras témoin. Mais je t'avais écrit depuis par rapport à ça, non? Est-ce que tu m'as contacté encore? Non, tu m'as dit. J'ai dit que je te connais quand je t'avais envoyé au business. Tu es parti là-bas, il a fait le crédit, non? Maman, il dit que tu dis fais le crédit. Le crédit de ça. Le crédit de ça. Mais j'ai trop aimé tout ce qui s'est passé là-bas, comment tu l'avais bien mis à genoux, tu l'as bien tapé là. Mais il est dosé. Aïe, le goût de ça. Il est dosé, il met le petit doigt dans ses fesses. Eh, mouf, pas péché comme ça. On parle de bébé. C'est comment, non? Non, la mère, je suis là et toi. Ça va, je suis là. Oh, maman, c'est comment? Depuis que tu rencontres mon camarade, t'appelles même et tout, rien. Mais il faut m'appeler sur mon portable personnel, non? Tu peux pas m'envoyer un message. Non, mais ma faute, je t'ai dit que je t'ai appelé et tout, mais rien. Non, je n'étais pas là. Ça veut dire que quand je ne connais pas un numéro, si tu m'appelles en masque, moi, je décroche pas. Non, mais moi, je ne t'ai pas appelé en masque, je t'ai appelé sur WhatsApp, sur l'autre numéro. Oui, envoie-moi le message. Non, pas sur le numéro de le téléphone. Si j'allume, c'est même pour le direct. Il faut que tu m'envoies le message sur mon téléphone personnel. Ouais, ok. Mafo, on dit quoi? On dit quoi? Dis, quand tu n'es pas là, là. Maman, je t'ai gardé le maïs grillé avec les arachides que tu m'avais demandé la dernière fois. Maïs grillé avec les arachides. Maman, tu sais que depuis que tu es devenu prisonnier, moi, je peux emmener des choses. Maman, tu es prisonnier. Je parle comme les autres des prisonniers. Avec ta... Leslie, appelle-moi sur le numéro, pardon. Attends, je laisse un message à Leslie. Leslie, appelle-moi sur le numéro d'appel que tu vois là. N'appelle pas sur mon téléphone personnel. Parce que c'est sur mon téléphone personnel que je suis en train de faire le live. Appelle-moi sur le téléphone. Si... Bon, ma Foufla, je t'embrasse, non, mon bébé. Ok, bisous. Bisous. Maman, la fille est belle, tu comprends, non? Leslie, il faut m'appeler sur ce numéro. Quelqu'un m'a appelé en vidéo, là, maintenant. Oui, allô? Allô? Mon dama, moi, c'est en Comor, il faut qu'elle foute mon ngombo, non? Les gens qui appellent, qui ne parlent pas là. Hein. Ok, c'est quel travelot ça? Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, allô? Ça va, Flo? Oui, ça va et toi? Ouais, maman, je t'appelle. Leslie, s'il vous plaît, dites à Leslie Bad de ne pas m'appeler sur mon portable perso, d'appeler ici. Parce que ça coupe le live. Oui, tu as la bouche d'une travelo, d'un travelo. Non, c'est naturel, t'inquiète. Ça va? C'est comment? Ça va et toi? Ouais, ça va, maman. Oh, t'es trop chaud. T'es trop bien. Merci, ma puce. Et ta maman, elle va bien. C'est quoi avec vous, non? Dis donc, c'est même quoi avec vous, non? C'est quoi? C'est même qui ça, non? Allô? Allô? Oui? Bonsoir, maman Fleur. Bonsoir. Ça va? Allô? Oui? Et ça va et vous? Oui, très bien, ma grande. Tata Fleur, je vais vous raconter une histoire. Oui, d'accord, je t'écoute. On s'est rencontrés il y a environ 5 ans à Bruxelles. Ah bon? Oui, on a fait un restaurant et le chemin ensemble pour retourner sur... vous retournez sur l'île et moi, je allais sur le front. Ah oui, je me souviens de toi, mon Dieu! Ça fait 5 ans! Non, c'est vrai!
Et on est parti, je me souviens, tu sais, je n'ai plus jamais eu ton contact. Comment tu vas et ta fille? Ça va super bien. Elle est même là, elle est en train de manger. Mon Dieu, tu es descendu à Mokron, j'ai continué à Lille. Voilà, c'est ça, mais j'imaginais pas que vous allez me souvenir de moi. Non, parce que c'est que dans cette voiture-là, en fait, quand tu as dit on a fait chemin ensemble, il y a que il y a pas deux, quoi. Alors, je suis contente, mais tant mieux. Wow, c'est cool. Ça va Tant sinon? Tu es toujours à Moucron? mieux. Non, 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 j'ai déménagé ce matin. C'est qu'en Flandre, c'est mieux, non, maman. Enfin, non, ça donne là-bas, maman. Non, ça donne. Ah Ça donne, bon? ça va. Non, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est cool ça, vraiment. C'est qu'en Flandre, là, c'est la langue qui dérange là-bas. Hein. Ben, je suis le cours de néerlandais. Petit à petit, ça va venir, hein. Mais Oui. sinon, c'est mieux ici, la mentalité, c'est mieux. D'accord. Oh, c'est super. T'es en train de regarder, je sais pas, c'est la télé qui... ou bien c'est quoi? Il y a un bruit là. Là, tu regardes la télé. Non, je vais éteindre la télé. Ah non, 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 ne n'éteins pas, c'est la petite regarde. Va même pleurer. Ça va, je baisse juste un peu le volume. Allez, Non. je vais. Ah, c'est Choupette, hein. Ça va, Choupette? Ça C'est va, Chouquette, Choupette? Chouquette. Choupette, ça va, Oui, Choupette? bien. Tu regardes quoi à la télé, mon cœur? Oui. Tu regardes quoi? Disney Channel. Disney Channel, tu regardes La Reine des Neiges? Moi, Tu regardes quoi? je Ah, regarde d'accord. Waouh. Je suis contente que tu sois sortie des petits soucis au Cameroun là. D'accord, Ben, c'est maman. pas encore fini, mais beaucoup de courage. Merci beaucoup, ma grande. Beaucoup de Je vais courage. enregistrer le Même la famille numéro que et tu je entoures, vais j'ai t'écrire. gâteau ici là, je suis mal récemment. Tu dis? T'as de la famille qui est venue récupérer des gâteaux chez moi. Elles m'ont dit qu'elles sont de la même famille que toi. Ah, d'accord. Ok. Je vais t'écrire là avec mon numéro personnel. Hein. Je vais t'écrire avec mon Ouais, c'est numéro mon personnel. numéro. D'accord, je vais t'écrire tout à l'heure. Merci. À toutes. Ok, ça va. Ok. À tout à l'heure, bonne soirée. Merci, ma grande. Les gens qui essaient de me joindre sur mon numéro personnel, moi, j'aime pas ça. Hein. Ça, c'est une petite chouette. Petite chouette. Maintenant, je l'appelle cette petite chouette. Petite chouette. Aïe, mon Dieu. Attends, tu es... Mais lave-toi, il n'y a pas de problème. Ton gars est là. Ok. Non, on ne te voit pas, t'inquiète, je suis la seule qui te voit, tu te laves. Tu as fini de couper, tu as fini de niasse. Ah bon, hein? Ton gars, il est où? Attends, il veut saluer ton gars. L'eau de ça. Ouais, oh, vous aussi. Vous coupez quand quelqu'un entend voir le film. Quand il y a le bon film, c'est là où. Mais quand il y a le film, ton gars est où? Je viens de saluer ton gars. Il est où? Coucou, mon beau. Okay. C'est comment quand il y a le vrai film? Ouais, oh. Il y avait le film là-bas. Pourquoi vous coupez le film là? Il y a un bon film là-bas, vous coupez ça. Les gens qui bipent là, on ne bipe pas sur WhatsApp. On ne bipe pas sur WhatsApp. Il y a le film Joy ici là. Pendant que l'autre est assis là-bas, numéro privé, ne décroche pas. Je ne décroche pas numéro privé. Ok, c'est bon alors. Elle se lave. Allô? Allô, ma reine. Oui, ça va ma Allô? chérie? Oui. Je t'aime, je voulais seulement te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je vous aime. J'aime
J'aime maman Anna, j'aime ta famille, j'aime tout ce que tu fais, j'aime les abeilles qui te supportent, j'aime tous ceux qui t'aiment parce que tu es une bonne femme, tu es une femme pleine d'amour, tu es une femme bénie de Dieu. Et je te prie et je prie beaucoup pour que tout aille bien pour toi et que tout marche pour toi. Et je tire vraiment un chapeau à tous les abeilles qui t'adorent parce que ce sont des gens de bon cœur et on t'aime Merci. vraiment, tu es bien entourée, tu es une femme bénie de Dieu. Je te dis Maintenant, c'est Fleur de Lys, une vraiment place. On ne fabrique plus, hein. Il n'y a plus de fabrication, hein. beaucoup de courage. Je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je fais un big up à tous les abeilles qui t'adorent. Merci. Je te fais des gros bisous. Merci, ma chérie. Bisous, Bisous. bisous. Bisous à maman Anna, bisous à Choupi, Merci. Qui me connaît comme ça? Qui te connaît comme ça, maman? C'est quelqu'un comme c'est une amie. Maman dit que qui la connaît comme ça. Merci, au revoir, bisous. Bisous, ma chérie. Maman, il y avait le match. Maman, les vieilles chouettes, maman, c'est comment? Ça va, maman, tu as seulement mis FDL partout dans la maison. Aïe, le goût de ça. Oui, ma peau. Oui, le goût de ça. Si le gars n'achète pas, je vais le laisser. Si vous la mine, là, il achète d'abord. C'est clair, maman, il t'a tout acheté. Tu as la chance. Tout, même les parfums, ma peau. Mes collègues avaient acheté trois de mes collègues qui ne sont même pas camerounais. La personne qui a fait la publicité au travail, elle laisse tomber. Oui. Oh, merci, Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Non, Comment oui, tu trouves alors le lait sur toi? Comment tu trouves quand tu le mets? tout ce. Déjà le parfum de ça, je vais dire à ceux qui hésitent encore, que les vieilles chouettes qui sentent là, quand tu mets le FDL, tu ne pues plus. Parce que Voilà. déjà le parfum de ça, c'est un grand investissement. Voilà. Le parfum là reste toute la journée, si vous n'avez plus besoin de mettre les déodorants et tout. Déjà le parfum, ça reste. Et la crème de visage, en fait, tout est bien là-dedans. Le sérum pour nettoyer le visage, ça n'agresse pas en fait. La Donc, lotion. ça fait un effet naturel. Donc, pour ceux qui hésitent encore, sachez que ma peau ne vend pas le. Regarde, je viens de faire un gommage là avec le savon. Ah, Donc, d'accord. d'abord, lavant, peut-être que me laver. Tu vois, je mets le savon, je Et tu laisse as vu que passer ça. le savon, ça n'agresse pas, hein? Rien n'agresse dans tout ça. Donc, pour ceux qui attendent le Janssen qui va les rendre. Je ne sais pas, jaune ou orange, il n'y a pas ça chez EDS. Ça nettoie la peau, ça rend la peau propre. Voilà, bien, merci, bien Bien dit. propre. C'est d'abord Bien dit. l'agression, parce que je vois certains gens disent que oh, les doigts ont fait que non. Tout le monde doit savoir que sur les doigts, là, il y a les parties d'articulation qui sont noires naturellement chez tout le monde. Regarde d'abord mes mains. J'ai passé c'est mes mains qui parlent. Regardez mes Voilà. mains. Peut-être on est souvent au soleil. Regardez bien mes mains. Hein. Je n'ai pas. Depuis que Voilà, les j'ai gens pensent arrêté. que non. Regardez. C'est d'abord le J'avais qui va en une semaine vous rendre. Non, ça nettoie en profondeur, c'est la qualité sûre. Oh, Moi, on ne merci. va pas venir mettre sur le marché n'importe quoi, sachant qu'elle a déjà des tonnes de détracteurs. Non, Ah là, c'est la fabrication qualité, les française, produits de bon, c'est pas qualité. n'importe quoi. Les produits de qualité. Oui. Franchement, même mon homme a aimé, hein. La senteur surtout. Il y a les quand femmes qui je mets utilisent ça comme ça ça avec là, leurs hommes à je la sens maison. Hein. bon. Il y a beaucoup de Comment ma personnes chou? qui utilisent à la maison avec leur mari. Hein. Oui, mais tu sais, comme les hommes, ils sont un peu compliqués en machin, en l'aide de toilette, là. Non, ils utilisent il y a à la barbe d'escargot. Oui, donc il y a beaucoup aussi qui utilisent à la barbe d'escargot, tu vois un peu. Oui, parce qu'à la barbe Non, mais d'escargot, franchement, c'est vraiment des produits de luxe. vraiment, Franchement, merci. c'est le luxe. C'est le luxe. Merci, ma puce, Non, maman. je suis contente que tu sois revenue du Cameroun, ma faux, voilà, saine et sauve. Malgré que les gens ont fait semblant de faire des vidéos comme s'ils t'aimaient, alors que dans leur cœur, ils voulaient qu'on t'enferme. Oui. Tu es revenue. Donc, dans leur cœur, là, on sait désormais qui est qui. Ça les choque, ça les ronge. Ça va, sauf Moi, que tu l'air vois, là, rangé. je n'ai pas de faux profil. Je ne suis pas un faux profil. Je te suis naturellement, je te suis normalement. Même dans ma famille, tout le monde sait que je t'aime. Voilà, je n'ai pas besoin de m'afficher. Non, c'est pour dire que même les abeilles qui s'affichent, ils font le tapage souvent là. C'est pas tous ceux qui font le tapage qui t'aiment, mais parfois certains s'autoproclament abeilles alors que c'est Ils ne même eux qui sont sont des pas. vrais même Oui, détracteurs. ce sont eux qui vont en face. On voit ça même sur le litchi. Oui. Voilà, donc ils font le tapage alors que derrière, ils ne font rien.
Oui, c'est ça, mais c'est Dieu, Ils font semblant de t'aimer. Alors que c'est eux-mêmes tes propres détracteurs. Et je veux aussi envoyer un message à tous ceux qui te détestent en disant que l'armée que tu as formée sur Facebook, c'est toi qui as formé. Non, je veux leur rappeler que s'il y a des gens qui viennent les insulter, c'est leur entourage même qui vient en faux profil les insulter. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes gens. C'est leur propre entourage, c'est les gens qui les détestent déjà dans leur vie réelle. C'est Ils ça, se mettent non? en faux profil et profitent de l'occasion de Facebook pour les insulter. C'est Donc, clair. lâchez Flo, elle n'a rien à voir avec tout ça. Lâchez cette dame. Maman, je ne Laissez-la gère vivre même sa pas vie. l'autre Elle a là. besoin qu'il l'aime. Qui vient m'attaquer alors, je vois. Est-ce que je les Voilà. gère? Voilà. Parce qu'ils Il sont là tout le temps en train de dire non, tu as formé une armée sur Facebook. Tu es parti chercher quelqu'un chez nous pour amener sur Facebook. C'est leur propre entourage, les gens de leur propre famille qui ne les aiment pas. C'est eux qui partent les insulter là-bas. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas ne va pas venir t'insulter. Je suis C'est désolée. clair. Un jour, quelqu'un m'a Voilà. insulté. Un jour, quelqu'un m'avait insulté. J'ai su d'où ça venait. La Voilà. personne avait dit quelque chose que je savais exactement parmi mes copines qui avaient fait ça. La personne, quand ma mère était encore au pays, un jour, j'ai une amie qui était allée au pays. Elle a pris ma mère avec la voiture. Donc, tu sais, comme au pays, il y a les maisons au quartier, sortie du quartier à plus qu'en route. Donc, elle a pris ma mère au quartier pour amener en route. Donc, du quartier, comme on habite à 4 étages, de la maison en route, c'est 100 francs, tu vois. Donc, elle a pris ma mère en bas pour amener en route. Et quand ma mère en descendait, elle lui a donné 10 000. Tu comprends, non? Oui. Un jour, elle est venue dire ça sur Facebook. J'ai su qui c'était, non? Est-ce que j'avais 100 000 amis qui avaient déjà donné 10 000 à ma mère? J'ai su qui Non. c'était. Moi, je l'ai appelée, C'est pour hein. te dire. Avec un faux profil. Voilà. Voilà, c'est pour te dire que ces gens-là, mais ils savent presque qu'ils les insultent, mais ils veulent tout mettre sur toi, tout mettre sur ton Maman, dos. est-ce que je gère d'abord l'autre là? Voilà, c'est ce que je voulais te dire, ma foi. Et il faut que certains abeilles aussi qu'ils comprennent. Ils n'ont pas besoin d'aller dans certains directs pour faire, je ne sais pas, des commentaires. Ignorance totale et insulte dans le silence. Si vous voulez vraiment défendre votre mafo, insultez dans le silence. Ouais. Propulsez la belle haut, achetez ses produits, d'autant plus que ces produits sont naturels. Donc, pour ceux qui craignent encore que non, ça va faire effet. Je vous dis, ça ne fait pas d'effet, je ne sais pas, agressif sur votre peau, non. Et pour ceux qui ont fait le Njan sans ça échoue là, pardon, achetez le lait LDS, ça va vous unifier le teint. C'est clair, Ça vous mais va. Je le dis parce que. Comme j'étais dans ma famille, j'ai acheté ça à ma grande soeur qui a fait le genre sans machin là. C'est en train de rendre sa peau encore, ça la ramène au naturel. voilà. Tout en la blanchissant. Devez dire à ceux qui ont fait le genre sans ces choses que le lait LDS c'est comme un traitement. Donc j'appelle pour faire le témoignage, je ne connais pas ma foi. Hein. Je l'aime que sur Facebook. C'est le témoignage des produits que moi je fais. Je ne suis pas abeille, je n'insulte pas les gens, je ne t'en pas. Voilà, je suis en Europe, mais tu ne comprends pas. Certains m'ont dit que si elle avait sa vieille voix de machin là. Et je vais revenir encore sur le fait qu'il faut que les gens sachent que sur Facebook, il y a le tribalisme. Voilà. Donc vous Voilà. devez regarder certaines choses avec un peu de grandeur. Voilà. C'est ça. Il faut que les gens écoutent ça comme ça. Maman. Voilà, et beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie Maman, aussi. ils sont durs. On s'en fout d'eux. Donc j'apprécie maintenant ta nouvelle façon de faire les directs sans prononcer les noms. Tu peux prononcer le nom de personne parce qu'on sait qui est qui. Voilà. On sait qui est qui. Et ici aussi, Je n'ai pas je vais profiter de l'occasion pour envoyer un message à la reine Galois. J'ai écouté son direct ce matin quand j'étais au Mais travail. pardon, n'envoie Franchement, pas je de message salue. négatif, pardon. Je veux même pas. Non, 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 c'est pas négatif, c'est pas au contraire, c'est encourageant. Je veux dire peut-être aux abeilles qui vont peut-être mal prendre son message que elle a eu le courage de dire ce que la mafia a fait pour elle. Elle n'a pas fait le tapage. Et je veux que les gens prennent conscience que la reine Galois a toujours dit et proclamé que c'est mafia et ses abeilles. Elle n'a jamais dit qu'elle venait pour être de la team ou bien présente de la team. Non, elle a toujours dit mafia et ses abeilles. Donc, même comme elle a dit qu'elle reste sympathisante, je voudrais que la reine Galois sache qu'elle a toujours été sympathisante. Bon, bref, moi, je l'ai toujours considérée comme une sympathisante, comme moi d'ailleurs. Je ne suis pas Voilà. faux profil, je ne m'affiche pas, mais je suis sympathisante dans mon coin. Oui. Je n'ai pas de faux profil. LVS Cosmétique me connaît. Bon, quand elle dit elle me connaît, c'est parce que je ne peux pas me coiffer chez elle. Et ça, Oui. c'est grâce à toi. Voilà. Ne peux pas me coiffer chez elle. Les gens peuvent aller se coiffer là-bas. Hein. Elle ne fait pas une balle. Elle est très gentille, très accueillante. Elle ne parle pas de Facebook. Donc, pour ceux qui ont peur qu'en allant là-bas, Facebook va faire, elle ne parle pas de Facebook. Elle ne parle pas de la vie des gens.
Elle parle pas de la vie des gens. Tout ce qu'elle te dit, seulement tu es abeille, oui, point barre. Merci. Tu m'as connu comment? Tu dis, je suis une abeille, point barre. Tu te crois seulement, tu sors, tu pars. Et puis elle n'est même pas obligée de demander aux gens s'ils sont abeilles. Non. Non, elle pose juste la question. Tu me connais comment? De par machin. C'est toi qui dis, non, je te connais par Facebook derrière Fleur de Lys. Donc quand on dit derrière Fleur de Lys, tout le monde considère que c'est abeille. Voilà, c'est juste ça. En tout cas, merci beaucoup, ma puce. Attends, je te fais un bisou. T'as beaucoup de bisous, ma Anne. Mafo, je ne sais pas, la prochaine fois que j'irai me coiffer chez elle, peut-être je vais laisser quelque chose pour maman Anna. D'accord, je maman. Je veux que tu lui achètes un gros saumon. Tu vois, je vais t'indiquer. Tu oui. Tu vas parfois au champ, là, les poissonniers, là. Oui. Parfois, tu peux acheter un saumon entier. Hein. Parfois, ce n'est pas trop cher. Tu peux avoir un grand saumon entier dans les 35 euros. Oui. On te découpe ça directement. D'accord. 35, 40 euros. On te découpe ça, tu viens à la maison, tu nous grisses un peu à la poêle à maman Anna. D'accord. Tu as même Benguete de qui est Benguete de ça, Je t'embrasse de ça, Les jaloux là. Non, 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 non. Les jaloux vont mourir. Bisous, bien parlé. Bisous, ma puce. La jalousie, Goki Wana. Voilà quelqu'un qui m'appelle en vidéo. Ça, c'est qui? Voilà quelqu'un qui appelle en vidéo. Abeille États-Unis. Non, je vais pas te montrer, c'est comment? Purée, tu es mignon, hein? Oh la vache! C'est comment? Oh my god! How are you? Hi, I'm fine! You welcome! Merci. Attends, je coupe le téléphone. You stay in the États-Unis? You did stay in the États-Unis? Yes. Ah, you're beautiful! Mais. Il est parti où? Je suis là. Ah, d'accord, c'est comment? Je suis là. Ouais, ça va. Non, je suis un sympathisant. La mignoncité de ça. Tu es marié, mon frère, tu es marié. Je peux t'épouser, mais pas les autres qualités de personne. Là, je suis seul. Ah, tu es seul? Oui, je suis pas marié. Tu as quel âge? C'est pas important. C'est juste un. L'âge, c'est juste un chiffre. Toi, tu connais. Même la matière rigole. Elle dit que mince, enfin, sa fille va avoir un gars. Parce que tous les jours, elle dit que ton mari, c'est qui? Maman, non, te salue. Hein. Merci, papa. Maman, ton gars. Elle dit que merci. Attends, elle te demande, maman, Anna, tu la salues. Elle dit que maman, tu es où? Merci, papa, merci. Que tu as dit, maman? Où tu as dit? Donc tu gardes que dans le frigo. Oui, pourquoi tu fais ça frais, non? Maman, le goût de ça, je vais bien boire ça frais. Voilà, ça t'attend. Hmm. C'est au moins que deux de tes compagnes qui font la qui t'attend. Vraiment, je suis content que tu sois rentré. Je voulais voir, Ouais, je suis rentré. En général, quand j'appelle, je suis au travail, j'appelle. Là, j'appelle, je suis à la maison. Donc, tu n'as pas travaillé aujourd'hui, tu as pris ta journée. Maintenant, c'est non, là. Non, c'est. J'ai travaillé de la maison. Mais non, Simon, c'est ça. Tu as travaillé de la maison, hein? Maman, long sang, que tu es coucou. Coucou. Maman, on chope ça. Oui, attends, ne quitte pas, je viens. Je mets l'eau du couscous au feu. Le coucou. Je mets l'eau du coucou au feu. Aïe, maman, j'ai fait. J'ai dit que. Non, maman, y'a qui a ou non? Lève-toi. Lucy, a ou. Oh, mon maman, ouais, maman est venue s'asseoir. C'est ça. Elle est venue s'asseoir là parce que c'est ici que les cœurs pour maman là. Parce que maman a s'asseoir ici pour manger, c'est sa place. Maman est mon chou. Ouais, les captures de ça. Maman va t'asseoir là-bas. Je vais te donner. Maman est venue s'asseoir, elle a oublié. Mais pourquoi tu
fait signe que maman est assise là. Toi aussi. Non, je n'ai pas... pas vu. C'est vrai que là, le téléphone est au sol. Je n'ai pas vu. Il fallait surveiller. Quand vous laissez que... Surveillez même. Surveillez bien aussi, non? Ouais. Non. Flore, je suis très content que tu sois revenu en entier en France. Très content. Mm-hmm. Donc, c'était encore pour te redire. J'ai déjà appelé une fois, je ne sais pas si tu te rappelles. Non. Tu sais que le numéro, c'est depuis que tu es parti au Cameroun, j'avais éteint. Ça, c'est un numéro, c'est moi. J'allume seulement ça pour le Wessi. Quand, dès que je suis normal, je coupe. Avant que tu ne partes en France, que tu ne partes au Cameroun, j'avais appelé pour te dire que tu as beaucoup de sympathisants à travers le monde, qu'on ne parle pas beaucoup. Donc, si, c'est vrai, oui, tu me l'avais dit, oui. On s'est débrouillé, on a appelé comme on pouvait de gauche à droite, on a appelé même l'ambassade de Washington, l'ambassade... Hé, j'ai dit que ça a chauffé, l'affaire là. On a appelé même en France, on a essayé d'appeler au Cameroun pour voir où était le problème, mais après on s'est rendu compte que c'était un faux problème. Voilà, donc, même l'ambassade, vous avez vu que même les ambassades vous disaient que c'est du n'importe quoi, non? Ouais. Donc c'était juste ce qu'on appelle, ils nous ont parlé de trafic d'influence, et... Ce qui devait se passer, c'est qu'on devait juste attendre quand ça allait arriver devant. Et voilà, tu es rentré, nous sommes tous contents. Et voilà, continuez à nous faire rire. Je suis content que ton moral ne soit pas tombé. Non. C'était le but. Mm-hmm. C'était de faire tomber le baobab, mais le baobab est resté debout. Voilà, c'est bizarre. Hein? Parfois, je me demande où je prends la force. Parce qu'à un moment, je n'ai jamais coulé les larmes nulle part. Hein? Je suis resté zen. Mais même si tu coules les larmes... C'est bizarre, hein? Non, je vais dire que... J'ai jamais pensé un instant que je devais aller plus loin que ça, en fait. Tu vois un peu? Ouais. Je savais que je n'avais rien fait, en fait. J'ai envie de dire un truc. Je ne sais pas, il ne faut pas aux gens qui parlent de Maman Anna tous les jours. Non, ne explique pas. Comme elle est, ne explique pas. Il ne faut pas qu'elle y a... Tu vois, non? Non, je ne veux rien dire de mal. Je ne veux rien dire de mal. Je veux juste te faire comprendre aux gens que chez nous, les gens de l'Ouest, on respecte nos mamans. On respecte beaucoup les mamans. Donc, qu'il fasse très attention. Quand vous attaquez quelqu'un, vous pouvez attaquer la personne comme vous voulez. Mm-hmm. Mais du moment que vous attaquez sa mère, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Donc, faites très attention à tout ce que vous faites là. Voilà. C'est la limite à ne pas franchir. Mm-hmm. Donc, je t'embrasse très fort. Si tu veux, je vais t'envoyer mon... Tu peux enregistrer mon numéro. Ça, c'est mon vrai numéro. J'ai deux numéros. Donne-moi le personnel. Envoie-moi le personnel. Je vais plutôt mettre ça dans mon téléphone personnel. Après, je vais te faire un message. D'accord, je vais t'envoyer mes deux. Ouais, ma mère, ouais, vous m'avez pas fait signe que maman a été là. Waouh, elle est venue, c'est sa place. C'est ici qu'elle s'assoit pour manger. Ouais. Donc, je vais t'envoyer mes numéros. Je suis très content de t'avoir vu en face aujourd'hui. Merci beaucoup, mon frère. On va rester en contact en sous-marin. D'accord, mon frère, je t'embrasse. Gros bisous. Quand tu viens à New York, tu viens, hein, j'ai ta chambre là qui est là. Quand tu viens à New York, tu veux que je te parle de visiter la maison? Tu veux visiter la maison? Tu veux voir? Oui, je veux voir. Maman, je suis venu à mon gars, je suis à frigo. Fais-moi voir le tout. Oh là là, je vais brancher ma copine là-bas. J'ai dit, c'est la photo de quelle fille qui est sur ton truc comme ça. Ça, c'est toi. Waouh, mon frère, je suis... Eke, tu as grandi ma photo pour mettre chez toi. Eke, ouyou. Oh là là. Toi aussi, je fais le plan, tu dis que c'est ton direct. Tu ne pouvais pas faire comme si c'est une grande photo que tu as enregistrée. Non, c'est ma... Non, c'est ma photo que tu as grandi comme ça, mets au mur. Ouais. Oui, c'est ta photo que j'ai grandi. J'aime hey, tu as même déjà cimenté ma place. Papa, tu as cimenté ma place. Oui, j'ai déjà cimenté ça. Aïe, le bout de... Hé, hey, c'est la photo de mon beau-père là-bas au couloir. C'est la photo de mon beau-père. Ouais, tu l'as vu, non? Ouais, papa, on met tchati, papa, maman, je connais le pater si. Le milliardaire de ça. Chérie, c'est notre... Okay, pardon, c'est notre chambre... C'est la chambre de la reine, mais là-bas. Non, c'est là où on va mettre... Les... Comment si tu tchacques les chaussures et les habits comme ça, non? Tu vas épouser... Mais attends, je te donne plus ma copine, hein? C'est le débarras, Ah, c'est le débarras. Okay, c'est notre lit qui est grand comme ça.
Oulou, maman. Non, le lit là est sur ça. Le lit là est sur ça. Eh, hey, je l'ai vu sur le parc. Waouh. Je l'ai vu sur le parc directement. C'est Central Park. Central Park. Waouh. Et il y a combien de chambres dans notre maison? Hein? Tu es en train de rigoler. Non, tu es sérieux quand même. La mère dit, mais maman tourne un coucou, t'as une seca bouillie, allez. Une seca bouillie, non, j'ai dit une seca fou. Oui. Donc, quand tu viens, je vais t'envoyer mes numéros de téléphone, tu vois. Ah, tu travailles déjà, non? Tu as fini l'école, non? Oui, maman, la bouche de ça, regarde ta bouche. Trop, on va me reconnaître. Et t'es dit la bouche de ça. Non, la bouche de ça. Pas. Comment tu as les lèvres roses comme ça? Tu as mis le rouge à lèvres. Jusqu'à tu touches même ta bouche. Ouais, tu connais comment il dira. Tu sais que tes frères sont des mignons, non? Tu sais qu'à l'ouest, on est mignons. Et t'es dit, il a dit que maman, la beauté de ça. Nous, on partait, mais je partais, mais on me tape là-bas en face. Pourquoi? Tu n'as pas vu comment l'autre gang, quoi, là, me tapait? Non. Toi, là, tu dois rester là. On te met seulement dans une chambre avec ton climatiseur. Tu dors, tu profites de ta vie, rien d'autre. Je t'ai dit. Ils vont taper leur soeur. C'était le cheveu de croix que tu allais porter. Voilà ça qui est arrivé comme t'es arrivé. C'est moi, je te suis beaucoup. Hein. Je ne suis pas les Camerounais. Je suis pas dans les Camerounais là. Mais on te suit à beaucoup de gens. De vraies personnes qui te suivent, tu ne peux même pas imaginer. Et t'es dit, toi, mais je t'ai vu en question. Non, j'ai dit que toi et moi, non, je te fais-moi le message que tu t'envoies mon numéro. Dès que tu me demandes de venir à New York, je viens seulement. Hein. C'est quand tu veux. Tu veux venir même la semaine prochaine, tu viens. Je suis sérieux. Toi, tu n'as pas les problèmes mais de c'est... Kaolo comme les gens. Non, j'ai pas de problème Kaolo. C'est qui paye le billet d'avion? Ceux qui accrochent le passeport de l'air là, toi, tu n'as pas. Mais qui paye le billet d'avion? Maman, vous avez vu un faux gars, non? Il dit qu'on va ça. Donc, non, moi, je. Hé! Hey, pardon. Abec. Attends, je te paye le village, il n'y a pas de problème. Non, tu sais que. Est-ce que c'est la meilleure saison pour venir maintenant? Tu sais comme ça. Non, je ne vais même pas venir maintenant. Toi aussi, tu crois que c'est ça? Je fais seulement ça pour faire le modèle non, devant les gens, non? Tu prends un village, ça me coûte rien. C'est le modèle. C'est quoi? Par rapport à l'honneur que tu vas venir chez moi. Le goût de ça, je t'embrasse. Mambo non, si tu ne sèmes ça. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Maman va un gars qui veut m'épouser en knife. C'est pas les bébés qu'on dit. Maman, la maison de ça. Ma photo est déjà agrandie, accrochée dans son mur. Pardon, je tourne le couscous. Oui, allô? Allô? Je dis, tu appelles, tu ne parles pas? Allô? Il y a des gens qui exagèrent quand même. Hein? Maman, s'il n'y a pas le réseau sur toi, chez toi, tu es seulement au sous-sol, Mako. Maman, un gars qui a accroché ma photo dans sa maison. Ma chérie, tu n'as pas le réseau chez toi, hein? Ouais, quelqu'un qui essaie d'appeler, elle n'a pas le réseau, hein. Allô? Oui, bonjour, c'est de la part de ma maman. En fait, ma maman, elle est fan de vous et elle vous aime beaucoup. Ah, de la part... Elle est trop timide. Ben, oui, demande à ta maman de venir me parler, elle est où? Elle est trop timide pour parler. Elle est où? Elle est avec moi au salon et... Elle est au salon et moi je vous trouve belle. Ben dis à ta maman de me parler, de me dire bonjour. Allez, vas-y maman, allez maman. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Bisous ma chérie. Bisous. Ciao. Ciao. Vraiment. Elle dit que on s'aime beaucoup, mes petits. Je décroche, la personne s'y parle pendant que tu me couscous, c'est mieux. Allô?
Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, et toi? Ça va, Dieu est grand, merci beaucoup. En fait, je ne sais pas si je peux me permettre, en fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. Et comme je suis souvent vos directs depuis que je suis en France, donc ça fait 2 ans. D'accord, ma donc, petite, je voulais parler, un peu que vous essayez de me conseiller. Et puis peut-être il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, en fait. D'accord, vas-y alors, chérie. Donc, j'ai 27 ans oui. Et ça fait 2 ans que je suis en France. Donc, au début du mois de janvier, je me suis mariée avec un blond, entre parenthèses avec un blond. Mais j'ai donc deux problèmes, c'est que... Tu as fait quoi? Oui, ma chérie, je t'écoute. Allô? Allô? Oui, allô, je ne sais pas, il y a un problème de connexion. Donc, je disais au début du mois de janvier, je me suis mariée oui. avec un blanc, entre parenthèses. Voilà, faut pas que les gens interprètent ça mal. Oui. Et donc, c'est la première fois que moi, je venais en Europe et c'est la première fois aussi que je suis mariée à un blanc. Oui. Mais je sais pas comment faire pour rester avec lui. Et j'ai aussi sa belle famille qui ne m'accepte pas dans tous les coins où je sais pas comment expliquer. Non, vas-y, explique tout. Explique allô? Tout. Il faut tout dire, ma chérie. Oui. Dis tout. N'aie pas peur. On est entre nous, les Africains. Donc, je disais, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment faire parce que j'écoute souvent vos directs et vous dites que vous étiez marié un blanc et tout. Donc, je ne sais pas comment faire pour rester avec eux. Je suis, chaque fois que je vais au fait avec eux, je suis mise à l'écart. Je me sens gênée. Et dimanche passé, j'ai pris la décision de ne plus partir là-bas. Ah, j'ai tes beaux-parents, non? Dans ta belle famille. Oui, dans ma belle famille, parce que quand je pars, je ne suis pas bien vue. Déjà, je suis mal vue parce que j'ai épousé leur fils, en parenthèse, pour prendre ses biens, ses montées, ses descendues. Mm-hmm. Donc, et j'ai l'impression que je fais trop d'efforts, en fait, pour rester avec eux. Et même malgré mes efforts, je m'accepte. Donc, j'ai décidé de rester chez moi. Ouais. Allô? Oui, ça fait combien de temps que tu vis avec? Ça fait, on est ensemble depuis le mois de juin, lui et moi, mais on est mariés depuis le mois de janvier. Ah, vous avez fait combien de temps avant de vous marier? Bon, janvier, on va dire décembre, janvier jusqu'en décembre. Hein. Ah, d'accord. Donc, en fait, vous avez fait combien de mois de relation avant de vous marier? Peut-être 3 ou 4. Mais après, je n'ai pas forcément de problème avec lui parce que depuis que je suis, que ce soit avant ou après le mariage, il ne m'a jamais vraiment fait quelque chose que je peux, sur laquelle je peux me plaindre. Quoi. Oui, mais c'est plus sa belle, c'est plus ses soeurs, c'est mon frère, oui. Donc les frères de ses soeurs, ses parents, en fait ses cousins, ses cousines. Oui. Dans les plans, aussi considère ce que les cousines disent. Oui. Donc, lui, c'est plus tout le monde sauf lui-même, quoi. C'est, en fait, tout le monde me met mal à l'aise sauf lui-même. Donc, voilà pourquoi, en fait, je suis tellement fatiguée que j'ai décidé de vous en parler parce que je regarde souvent vos directs et tout. C'est un peu ça. Ouais. Tu sais, attends, je vais t'expliquer, d'accord? Donne-moi quelques minutes. Ben, donc, je vais raccrocher parce que je vais suivre le direct comme c'est le même téléphone que je suis aussi. Ah, d'accord. Donc, je ne sais pas si je peux. Non, reste en ligne. Si je peux. Il y a quand même des questions que je veux te poser. Reste en ligne. Tu vas regarder le direct après. Marche, Richard. Ok, d'accord. Ouais. Ma. C'est jeune Koukoumele. Voilà, ça. Tu as un souci? Non, non, c'est bon. J'étais en train de... Pourquoi tu me regardes comme ça? Qui te regarde? Ah, c'est ton mari qui est à côté de toi. Oui. Ah, d'accord. Ok. Ça va, mon beau frère? Mais dis bonjour, dis bonjour. Bonjour, mon beau frère. Mais dis bonjour. Dis juste bonjour, elle ne te voit pas. Je ne te vois pas, bonjour. Lui, il est bizarre. Je ne suis pas chez Onkita. Bonjour, mon beau frère. Viens. Ça va, mon beau? Viens.
On dit juste bonjour, ça c'est quoi? Bonjour. Non, laisse-le, s'il ne veut pas dire bonjour, tu le laisses. Bonjour mon beau, ça va? Oui. Ta femme, elle t'aime énormément, hein? Elle te surkiffe, hein? Ta femme, elle t'adore, hein? Oui. D'accord? Et nous aussi, on t'aime. On t'aime aussi. Non, c'est tout ce que je voulais lui dire. Ah, ok, d'accord. Donc, je suis là. Bah, tu peux couper, tu vas suivre le direct. Je vais parler, tu vas suivre. Okay, d'accord? Merci. Ok, c'est bon. Donnez-moi quelques minutes. Je mets les médicaments de maman à côté. Voilà, maman aussi. C'est ta maman. Voilà. Oui, maman, toi aussi tu me grondes comme ça, comment non? Je vais te donner l'eau pour laver les mains, non? Ouais. Comment tu es toujours en train de me gronder? Je suis un enfant, maman. Je t'ai grondé. Parce que tu dis que je te sais, je ne donne pas l'eau pour laver les mains, pourquoi? Tiens, maman, je mets ici. Hein. Oui. D'accord, je t'essaie de la boire, alors. Tiens. Je n'ai pas mis beaucoup la viande parce que tu n'aimes pas trop la viande. Donnez-moi quelques minutes, hein. La personne qui n'a pas le crédit, pas. Vous croyez que quoi? La personne qui n'est pas, peut pas attendre, pas. Maman, je te donne de l'eau, ton verre. J'arrive, hein. 2 minutes, pardon. Connaissez les vieilles chouettes, aiment les commandements, hein. Les vieilles chouettes. Maman, je te donne de l'eau. D'accord. Bon appétit, maman. Merci. Ça chauffe, hein, doucement. Fais attention. Attends. 2 minutes, hein. Pardon. Juste 1 minute. Attendez, non. Pardon. Ouais. On ne va pas la mettre à tout le soir. Bon appétit, maman. Ouais, je te mets tes médicaments à côté. Ce soir, tu bois 2 comprimés. Personne qui veut parler. Je ne peux pas parler, je suis un peu occupée. Allô, Leslie? Comment tu vas, ma reine, chérie? Ça va, mon bébé à moi. Ça va, mon trésor. Ça va, ma reine, mais c'est même que tu as fait, on a vu. Tu as envoyé ta maman en France, on a vu. T'es pas dans la repose au bout de passeport, on a vu. La reine, mais tu construis dans ton pays, il y a immeuble forme de l'île, on a vu. Toi-même qui me craignes, je te regarde là, chaque matin, je vais envoyer l'argent à ma mère pour s'occuper de ma fille. Tu donnes le courage aux femmes, aux jeunes filles comme nous. Oh, oui. Mais la reine, mais j'ai pas été le parfum. Non, ça porte chance. Quel parfum? Anti... Anti-jalousie. Waouh! Les amis, ça la dernière fois. Eh, maman, l'argent de ça. La dernière fois, il vient changer les parfums, qu'il vient mettre un peu de ça. La personne m'a dit, écoute, il est où le parfum que tu avais mis la dernière fois? Il dit, oui! La reine, même ici, tu me suis. Oui! Et, sauf que le parfum FDL, j'ai mis dans. Tif! J'aime bien 2 comprimés, bon. 2 comprimés, maman, je vais chercher le deuxième. Ouais. Oui! La reine m'avait même pour foutre de la vieille. Il y a des fois faux profils là-haut. Moi, je ne vous comprends pas. Nous, on est avec la reine, mais 24 heures sur 24, elle est toujours avec nous. Elle fait des années sans voir la vieille. Mais quand la vieille vient, vous êtes là que quoi? Que la vieille va dormir. Elle va sauf que rester. Regardez le direct. Pardon, hein? Vous allez m'excuser, c'est pas que je suis impolie, mais quand c'est l'heure de s'occuper de maman comme ça, il faut s'occuper d'elle. Donc je vais répondre à la dame. Voilà, maman. Ah tiens, si son est. Oh, chauffer tes... Oui, mais maman... Voilà, je suis là. Donc, désolé. Hein. Donc, il y a une jeune fille qui vient d'appeler. Elle est mariée à un blanc. Et... Bon appétit, maman. Elle est mariée à un blanc. Et...
Elle est mariée à un blanc, mais sa famille. Je vais d'abord répondre à la personne. Oui. Bonjour, René. Bonjour. C'est une femme qui te connaît très bien. Mm-hmm. On s'est vu une fois à Istanbul. Tu étais avec une copine à toi qui pleurait beaucoup, beaucoup là. Au concert de Coco Argenté. Oui. Vous vous rappelez? J'étais avec une copine à moi qui pleurait beaucoup. Oui. Ah. Et c'est moi qui la faisais pleurer ou bien c'est quelqu'un d'autre? Non, non, c'est un homme qui la faisait pleurer. Mmh. Un homme a dit un mot qui n'était pas gentil. Là, elle s'est mise à pleurer. D'accord. Vous vous rappelez quand même, c'était dans un ganda. Ouais, je pense, oui. Oh, j'étais avec 1 million. Oui. Oui. Donc, en fait, je suis une fan. Oui. Je vous suis beaucoup depuis, disons, 2011. Mm-hmm. Et beaucoup de courage. Maman, elle est l'homonyme de ma grand-mère. Donc, je l'aime beaucoup puisqu'elle a le nom de ma grand-mère. Donc, beaucoup de courage. Moi, je suis de l'Ouest. Que le dieu des baleins, le dieu des champs, le dieu de l'Ouest te protège. Amen. Continue à veiller sur toi. Et les Bamilékés ont une force spirituelle que personne ne peut comprendre d'où ça vient. Donc, le dieu de nos villages te protège. Amen. Beaucoup de courage à toi et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup à toi. Je t'embrasse. Au revoir. Bon, donnez-moi. On va répondre à la fille. Je mange parce que j'accompagne ma mère. On mange toujours ensemble. Le couscous, ça chauffe. Amen. Merci beaucoup. Notre soeur gabonaise s'est mariée à un blanc. Et depuis qu'elle est mariée, oui. Moi, je suis étonnée souvent de voir les gens qui appellent. C'est-à-dire, en même temps, vous voulez me suivre. En même temps, vous voulez... Merci. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, la reine. Bonjour. Bon petit d'abord en passant. Merci. bon appétit à maman Anne. Merci, maman. Merci. Merci. Maman dit merci. Ok. Ok. Je suis très ravie de vous entendre parler, les conseils que vous donnez. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé au pays quand vous étiez là-bas. Merci. Et que, tu sais, tout se passe à force et rien n'est impossible devant lui. Mm-hmm. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, il n'y a que Dieu seul qui peut décider du sort de chaque personne. Mm-hmm. Donc il faudrait vraiment le rendre grâce. Merci beaucoup. Et je vous encourage vraiment dans tout ce que vous faites. Merci maman. Bon appétit. Merci. Ok, je suis vraiment ravie. Merci. Okay. Merci. Et bisous, bonne nuit. Ça c'est mon numéro. Si vous pouvez me donner votre numéro personnel. On peut mieux causer. Non, ça c'est mon numéro. Personnel? Mm-hmm. Ok. D'accord, merci. Okay. À tout à l'heure. Je vous laisse. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure. Bisous. On va répondre à l'autre fille. Attendez. Oui, bonjour. Allô, bonjour, Bafo. Bonjour. Mais ma mère, je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui. Tu es repartie. Tu avais maman Anna, que du bonheur pour toi. Oui, merci ma puce. Que du bonheur.
et ton vin, ça sera du succès pour ta nouvelle sortie des vins. Merci. Ça va cartonner. Ça va cartonner. Le vin, c'est l'argent. J'ai même mes partenaires qui m'appellent déjà là. Il faut que je me prépare pour partir. Parce que je ne veux pas, je dois partir. Non, Red Mère, il faut le vin. Quand j'ai vu tes bouteilles de vin, c'est là où il y a l'argent. Tu n'as même pas encore vu le... Laisse, tu vas voir. Ça, non, c'est je rien. Il y a des gens à Paris, là. Je vais leur demander de me ramener mes bouteilles parce que j'aime l'alcool. Non, il y aura un distributeur au Cameroun, dans tous les villages de l'Ouest, pendant vos funérailles, comme les funérailles s'annoncent, pendant vos mariages, il y a le on distribue jusqu'à dans les villages. Donc, il y a un réseau de distribution qui est déjà sur place. Non, c'est le diamant. C'est le diamant, maman. C'est le diamant. Tu peux même pas trop parler à l'heure. Si tu observes ton foufou, sauf qu'on boit. On va compter les millions après. Ça, c'est très bien. Mm-hmm. C'est une très belle idée. Vraiment, vraiment pour nous, les juniors vieillés, chouettes comme nous, là, on va seulement boire en attendant. Les gens aiment d'abord, les gens aiment boire, hein. Ouais, c'est tout ce que, et en plus, c'est français, you know, ça passe. Voilà, donc ça il faut passe. Que je me prépare, j'ai rendez-vous avec mes partenaires, j'ai des partenaires, hein, c'est pas... Maman, tu as la force de frappe, tu es sortie du pays, la tête haute, c'est que tu es une femme qui est debout, parce que toute la mascarade qu'on a vue qui s'est passée au pays... Ça n'avait pas place. On a vu l'injustice qui était contre toi. On était très tristes. Nous sommes là en vrai profil. Moi, je suis là en vrai profil. Je suis là pour te supporter. C'est une injustice totale qu'on te fait, quoi. Et puis, on a vu et puis, le gouvernement camerounais a mis, ils ont fait ce qui est juste. Même si c'est un gouvernement petit, deux boules, moi c'est dans, parce que je ne veux plus faire l'étude gardée. Le congélateur, j'ai plus de place. Excuse-moi, ma grande. Non, maman, c'est pas grave. Voilà, je vais devoir couper parce qu'en fait, j'ai même rendez-vous là ce soir. Il faut que je me prépare pour y aller. Donc, je vais dire au revoir. D'accord. Merci. Voilà, merci. Donc, bisous, bisous. Bon, je vais devoir me préparer parce que je vais sortir. J'ai un rendez-vous là. Donc, la fille qui a appelé là, ma chérie, on va gérer ton... On va faire un live. On va gérer ça ce week-end. Je ne peux plus prendre les appels. Je ne prends plus les appels. Je vais éteindre le téléphone parce que je dois sortir. Il est déjà à l'heure là. Je crois que je prépare. Donc, le conseil, on va... Ouais. Ça, c'est une représentante au Gabon. Attends, Choma. Oui. Non, je n'étais pas trahi. Je vais même partir là parce que je ne peux plus parler là. Il faut que je parte. On m'appelle déjà beaucoup là. Il faut que je réponde. Bon, je vais devoir vous laisser. Gros bisous à tout le monde. On refait un direct appel. Je vais éteindre le téléphone, pardon. On refait. Pardon, je ne peux plus prendre l'appel. Je vais éteindre. On se voit. On se refera ça. Hein. Je ne savais pas que ça vous manquait les directs appels. Je vous embrasse, gros bisous et rendez-vous ce week-end, peut-être à dimanche. Rendez-vous dimanche, je vais devoir sortir là, il faut que je... Merci à tout le monde, bisous, bye bye. Bonne nuit, je sors. Bye bye.